Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'IHEST, au webinaire de l'IHEST. Vous êtes les tout premiers à vous connecter et je crois que nous aurons davantage de monde tout à l'heure, mais nous avons décidé de commencer à 18h pile. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Donc, j'ai la charge de dire quelques mots d'introduction et j'ai envie de commencer par une réflexion qui est partagée, je pense, par tous. Je disais tout de suite à Julie et à Sylvain que j'avais le sentiment que le changement climatique n'était plus contesté par personne de sérieux, dans notre pays en tout cas, et peut-être même au-delà, dans le monde, et que la prise de conscience de ses multiples impacts est surtout lié au fait qu'il devient visible et qu'il commence à toucher véritablement notre vie quotidienne. Et évidemment, parmi ces impacts, les menaces sur la ressource en eau est évidemment au centre. Et l'été 2022 a été un facteur de prise de conscience. Et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir finalement, parce que la situation n'était pas complètement nouvelle, et je pense que Julie et Dominique vont le dire, les chercheurs ont étudié depuis déjà quelques décennies cette question. Je voulais juste rappeler une tautologie. L'eau, l'air et l'alimentation sont simplement indispensables pour vivre. Sans eau, on ne vit pas, sans air, on ne respire pas, donc on meurt. C'est tout aussi simple que ça. Mais l'eau est aussi incontournable pour les activités humaines. Pour l'énergie, il faut beaucoup d'eau pour refroidir une centrale nucléaire. Je ne parle évidemment pas des centrales hydrauliques. Pour l'agriculture, c'est évident, on en parle toujours. Mais pour les industries aussi, et on en parle moins. Visitant une année une usine en région parisienne qui fait du Coca-Cola, l'ingénieur qui nous faisait visiter nous a dit quand même que pour 1 litre de coca, c'était 6 litres d'eau. Donc quand vous buvez 1 litre de coca, c'est comme si vous buviez 6 litres d'eau. Donc c'est un exemple, mais il y en a évidemment sans doute des beaucoup plus importants. C'est juste un exemple. Donc l'eau est un enjeu central pour nos sociétés. Elle demande à être appréhendée dans toute sa complexité et dans toutes ses dimensions. Et c'est à ce titre que c'est bien une thématique pour l'IHEST. Puisque notre mission, c'est d'analyser des sujets sociétaux et de les analyser avec nos collègues chercheurs, puisque nous sommes un institut du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un établissement public administratif, mais sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc avec évidemment à ce titre une certaine indépendance pour traiter avec les chercheurs de sujets qui sont des sujets à enjeux sociétaux. Et le séminaire 2023 qui est consacré à l'eau, avec comme titre Les territoires face à la pénurie d'eau, est évidemment emblématique de cette mission que nous avons. Cette mission, nous l'avons aussi, et peut-être aussi parce que nous sommes un établissement public administratif sous tutelle mais indépendant, nous l'avons aussi grâce au soutien de la Banque des Territoires. Et aujourd'hui, nous remercions la Banque des Territoires pour l'organisation de ce séminaire, et nous remercions aussi le BRGM avec lequel donc nous avons un partenariat scientifique, ainsi qu'Agropolis International. Je voudrais aussi remercier le CNRS, qui n'est pas officiellement partenaire, mais je dirais que le CNRS est un partenaire permanent de l'IHEST, parce que nous faisons toujours appel aux chercheurs du CNRS. C'est normal, c'est un institut aussi qui est pluridisciplinaire, donc on trouve des chercheurs de toutes les disciplines au CNRS. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire à travers ce séminaire? Engager un dialogue d'acteurs sur cet enjeu majeur, un dialogue entre les scientifiques et les parties prenantes, et qui intégrera bien sûr le plan lancé fin mars par le gouvernement, le plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, ou si vous préférez plus simplement le plan eau, je crois qu'on l'appelle comme ça, et qui comprend 53 mesures et qui met surtout l'accent sur la sobriété avec l'objectif de baisser les prélèvements d'eau douce de 10% dans tous les secteurs d'ici 2030,
Ça a l'air pas beaucoup, 10%, mais je suppose que vous allez quand même nous montrer que c'est assez considérable et c'est un effort à faire important. Nous souhaitons aussi mettre au cœur de la réflexion ceux qui vont être à la manœuvre sur ce plan et aussi sur d'autres mesures peut-être qu'ils voudront eux-mêmes lancer, ce sont les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont à l'interface de tous les acteurs, les entreprises, les associations, les agriculteurs, l'État et évidemment les usagers ou, si vous préférez, chacun d'entre nous. Et en première ligne, quelles sont ces collectivités territoriales, comme d'habitude, pour évidemment mettre en œuvre l'ensemble des mesures. Alors, notre séminaire va se dérouler en trois temps. Le premier temps, le premier acte, c'est ce soir, avec ce webinaire que nous avons intitulé L'eau en question et auquel nous avons invité Julie Trottier et Dominique d'Armandra et que Sylvain vous présentera tout à l'heure. L'acte 2 est le mardi 6 juin. Avec un webinaire encore sur les usages et la consommation de l'eau. L'acte 3 sera par contre une journée en présentiel avec au Hub des Territoires le 15 juin à Paris et s'intitulera Acteurs et Territoires, quels objectifs partagés pour une gestion durable et sobre de l'eau. Voilà. Avec ce séminaire, nous souhaitons donc partager des objectifs pour une durée, une gestion durable et sobre de l'eau. Explorer les leviers d'action, les conditions favorables, partager les bonnes pratiques et partager les solutions innovantes. Et en commençant, évidemment, comme pour le précédent séminaire, avant d'entrer dans le débat, par comprendre l'effet, l'état de la ressource en eau sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Et pour cela, nous avons besoin des chercheurs qui sont spécialistes du sujet. Donc, je laisse la parole à Sylvain Allemand, qui est journaliste, qui va animer l'ensemble du séminaire, aussi bien les webinaires que le séminaire du 15 juin, et qui va vous se présenter et présenter également nos deux chercheuses. Je vous souhaite un excellent webinaire. Bonne soirée à tous. Merci Merci. beaucoup, Sylvain. Alors, vous vous éloignez, mais vous restez avec nous, impliqué que vous êtes par la et concerné par la problématique. Merci à vous, Sylvain, et à l'IHEST de m'associer encore à ce cycle de webinaires et de séminaires. J'ai eu plaisir à participer au précédent sur les sols et la gestion durable du foncier, et je trouve qu'il y a beaucoup d'affinités entre le précédent séminaire et puis celui dans lequel que nous inaugurons ce soir. D'abord parce que, tout comme les sols et le foncier, l'eau est au cœur de l'actualité. Et quelque chose me dit que ni Julie Trottier ni Dominique d'Armandra n'auront seront tentés de rentrer dans le vif de ces questions d'actualité. Je pense aux polémiques, aux discussions, au débat autour des mégabassines, mais je pense aussi au plan eau qui a été présenté au mois de mars dernier. Mais comme l'a très justement rappelé Sylvain, la vocation de ce premier webinaire, c'est de faire un état de la connaissance. Qu'est-ce que les scientifiques nous disent sur la situation, l'état des ressources dont nous pouvons encore disposer ici en France et peut-être aussi à travers le monde. Et je trouve que le panel de scientifiques qui a été composé pour le besoin de ce webinaire a été bien pensé, puisque nous avons avec vous finalement Dominique d'Armandra, et vous pourrez me démentir tout à l'heure, mais au fond quelqu'un qui représente bien ce que peuvent nous apporter les sciences de l'ingénieur ou plus généralement les sciences exactes, et nous verrons justement comment vous instruisez, vous documentez les débats en nous fournissant, en nous éclairant sur les données disponibles, sur les ressources, des données qualitatives et quantitatives. On y reviendra. Et il me semble que, alors je précise que vous êtes Dominique d'Armandra et que vous êtes directrice du programme de recherche scientifique du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Je ne peux pas m'empêcher de sourire au fait que cet organisme s'appelle un bureau.
semblant suggérer que Dominique est enfermée dans son bureau, alors qu'en fait, elle ne cesse de faire du terrain. Voilà. Et voilà, ce n'est pas une chercheuse de chambre, pas plus que vous, Julie Trottier. Alors, qui représentez, vous me corrigez si vous trouvez abusive l'étiquette dans laquelle, très large étiquette, dans laquelle je veux vous enfermer, celle des sciences sociales, même si j'ai appris que vous étiez chimiste de formation, vous nous expliquez peut-être le lien. Je vous invite à lire attentivement les notices biographiques qui ont été établies sur l'une et sur l'autre. Julie Trottier, on découvre que vous avez comment arpenté le monde. En disant que vous êtes intéressé à des situations extrêmement variées à travers le monde, comment vous êtes allé, comment vous avez étudié et fait des recherches dans d'éminentes universités en Europe, au Canada, et vous avez participé à un vaste programme de l'Organisation des Nations Unies en charge des problématiques d'alimentation et d'agriculture, qui vous a amené à vous intéresser à énormément de contextes en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Vous avez également séjourné plusieurs années sur le terrain israélien palestinien pour y mener des recherches. Et si vous le voulez bien, avant d'en venir sur l'état des savoirs, des connaissances scientifiques sur les ressources dont on dispose, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, j'aimerais qu'avec votre regard de chercheuse en sciences sociales, que vous nous sensibilisiez en quelques minutes au fait que finalement, les modèles de gestion de l'eau se sont toujours appuyés sur des innovations techniques, mais pas seulement. Ils sont le fruit de co-constructions intégrant des facteurs sociopolitiques, des problématiques de réglementation. Et vous avez accepté de vous livrer un exercice à marche forcée de rétrospective, de mise en perspective historique, pour nous rappeler comment les sociétés humaines ont, ici et là, traité de problématiques relatives à l'eau, à chaque fois avec des représentations, des modes de réglementation, des tenues. Vous nous expliquerez le sens de ce mot. Mais j'ai déjà trop parlé, c'est vos paroles que nous souhaitons voir. Merci. Vous avez démarré avec le concept de coproduction qui a été mis en avant initialement par Bruno Latour et puis plus retravaillé par Sheila Jensanoff, qui a la chaire STS à l'Université de Harvard aux États-Unis. Et en fait, qu'est-ce que c'est la coproduction? Il ne faut pas lui donner le sens intuitif qu'on pourrait lui donner de manière intuitive. La coproduction, c'est le fait de reconnaître que tout discours scientifique concernant l'environnement est produit à l'intérieur d'un ordre social. Cet ordre social, c'est l'ensemble de nos représentations, de nos valeurs, de nos institutions, de nos relations de pouvoir à l'intérieur des structures de pouvoir à l'intérieur de notre société. C'est dans ce contexte-là qu'on peut formuler une hypothèse scientifique et utiliser la méthode scientifique pour construire un discours scientifique qui représente la nature. Et donc, on appelle ce discours scientifique l'ordre naturel. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on transforme l'ordre naturel, parce qu'on améliore le discours scientifique ou qu'on le transforme simplement, on se trouve à transformer l'ordre social. Les deux se construisent mutuellement et s'impactent mutuellement. Arrêt sur image, comment l'eau est souvent présentée comme un bien commun qui est pour justifier la nécessaire mobilisation mondiale, mais elle n'échappe pas à ce que vous dites. Elle est l'objet de co-construction, de coproduction de systèmes. Absolument. Par exemple, au travers de l'histoire, on va voir dans les zones rurales en particulier que l'eau va être gérée, va devenir l'objet d'une tenure de l'eau qu'on devrait définir. Qu'est-ce que c'est la tenure? On connaît tenure foncière, tenure des pêcheries, tenure des forêts. Et on hésite toujours à utiliser le mot tenure de l'eau, alors que c'est exactement la même chose. Le mot tenure, ça définit l'ensemble des interactions humaines, des règles que les êtres humains ont entre eux, en tant qu'individus ou en tant que collectif, que ce soit des règles formelles ou informelles. Des règles formelles vont être écrites, ce sera produit par le droit. Les règles informelles vont par exemple être produites à l'intérieur d'une famille, par exemple. Et c'est l'ensemble de ces règles par rapport
aux relations que les êtres humains entretiennent avec une ressource. Alors, on a une énorme littérature sur la tenure foncière, une énorme littérature sur la tenure des pêcheries, des forêts, et seulement une poignée de publications sur la tenure de l'eau. Pourquoi donc? Ben, entre autres, parce que l'eau coule, l'eau suit une trajectoire spatiale, mais en même temps qu'elle suit une trajectoire spatiale, elle suit une trajectoire institutionnelle. Alors, si on imagine, vous voulez peut-être montrer la diapositive. Oui, voilà, parce que vous êtes venu, avec une diapositive qu'il faut absolument projeter, que vous comptez projeter demain, hein, oui, vous faites une intervention, mais je vous ai chippé cette diapositive qui me semble être extrêmement intéressante pour illustrer ce que vous allez nous dire. Ce n'est pas du Van Gogh, hein, je vous avertis. Alors, si la régie, voilà, parfait. C'est qu'ici, merci. On voit donc la trajectoire spatiale de l'eau qui est schématisée, et on voit que l'eau d'un glacier en haut d'une montagne, par exemple, va fondre, pénétrer dans le sol, ressurgir en tant que source, et là, la source sera l'objet d'une tenure de l'eau qui aura été élaborée sous forme de régime de propriété communautaire par des agriculteurs qui vont mener cette eau à leur terrasse. Peut-être qu'on est en milieu de montagnard, donc c'est peut-être des terrasses construites par les agriculteurs. Et puis l'eau pénètre à nouveau dans le sol et va ressurgir plus loin, peut-être dans un kanat. On a beaucoup de kanats au Maroc, en Algérie, en Iran. Je peux même vous montrer des kanats en Cévennes. Et donc là, on aura à nouveau une autre forme de tenure de l'eau qui va construite pour gérer cette eau, et puis cette eau retourne à l'environnement, une grande partie en tout cas, et va peut-être être ensuite donc stockée derrière un barrage. Là, à nouveau, une tenure de l'eau complètement différente. Cette fois-ci, on verra sûrement parmi les acteurs qui énoncent les règles, des ministères, des fonctionnaires, des ingénieurs, et puis là, c'est un barrage qui fait de l'hydroélectricité. L'eau est relâchée à nouveau, elle va retourner peut-être dans l'aquifère et peut-être réapparaître dans un puits. À nouveau, une autre tenure de l'eau. Et ce qui se passe, c'est que chacune de ces tenures de l'eau se construit au sein d'un imaginaire socio-technique qui lui est propre. Alors, un imaginaire socio-technique, c'est à nouveau un terme de Sheila Jasanoff, qui désigne l'avenir qu'on considère comme désirable. Quel avenir considérons-nous normal et désirable? Et ça va dépendre de chaque culture, de chaque contexte socio-économique. Et par exemple, en Nouvelle-Zélande, récemment, une rivière a reçu la personnalité juridique de la part d'un juge. Pourquoi? Peut-être faut pas s'égarer si loin, mais donc évidemment ça ne colle pas avec la tenure de l'eau d'un barrage hydroélectrique en France, hein, et même si c'est sur une rivière. Et ce qui se passe, c'est que ces imaginaires socio-techniques vont souvent être contradictoires. Oui, oui. Mais alors, je tire un fil, comment pour autant ces imaginaires socio-techniques, s'expriment autour de problématiques propres à telle ou telle situation, ils ne sont pas isolés les uns des autres, ça interagit. Donc ça entretient quand même l'espoir d'une tenue mondiale, on pourrait dire les choses comme ça. Je vois, malheureusement, ce qu'on a vu au travers de l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on monte au niveau d'échelle, particulièrement quand on monte au niveau national, et la France ne fait pas exception, on voit ça partout, c'est qu'en général, la politique nationale va se construire sur l'invisibilisation des tenures locales qui préexistaient, des tenures communautaires. Souvent, on va les rendre illégales. D'ailleurs, on a un article extraordinaire qui est très célèbre dans la littérature scientifique sur l'environnement qui nous dit que 60% de l'eau est volée dans le monde. Ça fait beaucoup de voleurs. En fait, souvent, cette eau, elle n'est pas utilisée de la manière dont la loi nationale prévoit que l'eau soit utilisée, mais souvent, elle est rigoureusement soumise très rigoureusement à des formes de tenure locale qui ont été élaborées souvent avant l'élaboration de la loi nationale et qui perdurent. Mais comme cette forme de tenure locale n'est pas reconnue par le droit national, c'est considéré comme du vol. Et ça, c'est une tragédie qui s'est répétée partout dans le monde, que ce soit en Palestine, au Maroc, en France, aux États-Unis. C'est malheureusement une histoire universelle. Vous dites tragédie en référence à la tragédie des communs. La tragédie des communaux, Garrett Hardin a admis dans son vieillage qu'il avait eu tort. Lui croyait que les ressources étaient surtout en accès libre. Et lui disait, il faut que soit qu'on les privatise, soit qu'on en fasse des biens publics pour que l'État les gère. Sinon, ça mènera à une tragédie, des surpâturages. Son exemple, c'était le pâturage, une surexploitation des ressources et une destruction des ressources.
Mais ce qu'il ignorait, et tout le mouvement mené par Eleanor Ostrom, c'est ce qui lui a valu un prix Nobel d'ailleurs en 2009, tout le mouvement des Common Property Movement, de régime de propriété communautaire, s'est construit en réponse à Garrett Hardin en disant « mais non, ce n'est pas de l'accès libre, ces ressources sont en général très soigneusement gérées, mais par des régimes de propriété communautaire, donc ni privés, ni public. Mais ce que Eleanor Ostrom nous a démontré, c'est que cette gestion pouvait souvent être aussi efficace qu'une gestion privée ou une gestion publique. Donc, c'était important de la reconnaître et de reconnaître les utilités, les externalités positives qu'elle pouvait générer. Donc, on voit bien l'intérêt du regard du chercheur en sciences sociales qui nous met en exergue les imaginaires, les réglementations, les tenures, etc. Le rôle de l'État versus les communautés locales qui inventent d'elles-mêmes les solutions, etc. Mais l'apport des sciences sociales, c'est de visualiser aussi des rationalités économiques. Et c'est une invite à nous rappeler comment, finalement, des systèmes de gestion de l'eau ou des problématiques relatives à l'eau sont liées à des modèles de production agricole qui se sont, à un moment donné, imposés dans tel ou tel pays. Et pas seulement agricole, comme on discutait plus tôt, en France, entre le 10e et le 14e siècle, on a eu le développement des métiers drapants. Donc on avait la teinture, le nettoyage de la laine, et aussi en même temps l'activité d'élevage piscicole, qui allait se positionner justement le long des rivières de manière à pouvoir bénéficier de l'activité qui était réalisée plus haut. Donc spontanément, sans que l'État n'aille l'obliger, les activités s'étaient installées le long de cette trajectoire spatiale de l'eau pour être mutuellement bénéfiques. Et je crois que c'est vraiment pour moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter avec Dominique. Voilà, parce que pour moi, le grand défi auquel on est confronté maintenant, c'est comment réarranger nos interactions avec cette trajectoire de l'eau de manière à ce que les utilisations successives puissent permettre les utilisations en aval avec une qualité de l'eau suffisante, une quantité d'eau suffisante, et comment est-ce qu'on peut se réarranger pour que les utilisations qui sont consommatrices d'eau, parce qu'utiliser l'eau et consommer l'eau, c'est deux choses complètement différentes, et bien que les utilisations consommatrices d'eau soient aussi en aval que possible de cette trajectoire. On peut se réorganiser le long de cette trajectoire. Ça ne va pas être facile, mais c'est imaginable. Alors, c'est là une vraie transition. On ne pourra pas le faire sans Dominique. Voilà, parfait. C'est une parfaite transition parce que, effectivement, Dominique Darmon-Draille, bon, je l'ai dit, vous êtes directrice du programme de recherche scientifique au BRGM. Eh bien, vous allez nous dire où on en est dans l'état des ressources hydrauliques, tant du côté au regard des besoins que de la consommation, de la demande, pour reprendre votre terme. Mais auparavant, peut-être, Dominique, rappelez-nous un peu l'apport, le rôle de BRGM, qui n'affiche pas le mot eau dans son libellé, et alors qu'il est reconnu comme un acteur majeur dans la production de connaissances et puis aussi de préconisations relatives à la gestion de l'eau. Alors oui, vous l'avez dit, Sylvain, on s'appelle Bureau de Recherche Géologique et Minière, puisqu'en fait, on est l'établissement public de référence en matière de sol et de sous-sol. On va étudier les ressources du sol et du sous-sol et les risques qui sont associés à ce sol et ce sous-sol, le tout dans une perspective de développement durable. Donc en fait, on fait des activités de recherche scientifique, mais on va être aussi en appui aux politiques publiques, notamment à la politique publique en relation avec l'eau. Mais on fait aussi de la coopération internationale, comme vous l'avez évoqué. Donc, on n'est pas un bureau fermé. On voyage aussi beaucoup pour pouvoir aller travailler dans des contextes un peu différents. Et en matière d'eau, en fait, on suit plus spécialement, donc, puisqu'on vient du sous-sol, ce qui était évoqué, donc les eaux souterraines, qui sont, si on regarde globalement sur la planète bleue, on a essentiellement de l'eau salée, on n'a que 2,5% d'eau douce, et dans ces 2,5%, on a beaucoup de glaciers, encore maintenant, et on a 30% d'eau souterraine, si on compare aux cours d'eau qu'on voit, qui sont de l'ordre de 0,5%. Donc vous voyez un petit peu le rapport de force, seulement, c'est ce que j'évoquais, les eaux souterraines sont assez invisibles,
Et donc, on a un vrai problème à faire reconnaître donc, leur rôle dans le cycle de l'eau et dans les usages qui sont là. Donc, Julie l'évoquait, hein, la source, eh bien, c'est le moment où l'eau souterraine rencontre le niveau du sol et l'eau sort. Et on a effectivement énormément d'interactions entre ces eaux souterraines et le reste du cycle de l'eau, notamment les zones humides, les cours d'eau, les lacs, etc. Et donc, le BRGM travaille sur, on va dire, 3-4 grands axes. Le premier, c'est d'améliorer la connaissance, que ce soit des processus physiques, biogéochimiques qui se produisent à l'intérieur de ces eaux souterraines et dans le cycle global. On va développer des méthodes de surveillance. On va en reparler tout de suite parce que de ces milieux, puisque c'est à partir de ça qu'on peut dresser un bilan. On va travailler aussi sur les outils de prédiction parce que, comme le disait Julie, si on veut savoir où c'est que l'eau va atterrir après qu'on l'ait réinjectée, par exemple, derrière un barrage, derrière un cours d'eau, comment effectivement ça va se produire, où c'est qu'elle va aller cette eau. Et puis, on fait cette prédiction. Alors, je parle beaucoup de quantité, mais on parle aussi de la qualité qui va avec. Hein. Tout est intrinsèquement lié. Et puis, en dernier lieu, on va travailler sur des solutions, que ce soit des solutions de gouvernance, comme pouvait l'évoquer donc cette solidarité amont-aval qui est dans la politique de l'eau française. Et puis, toutes les solutions pour faire face aux défis qu'on a rencontrés, en particulier celui que vous évoquiez là tout à l'heure, qui est la sécheresse actuelle. Il faut juste rappeler que sur les 6 dernières années, nous avons eu 5 années de sécheresse. Et seulement 2021 a été plutôt pluvieuse. Donc, c'est effectivement, on enchaîne un certain nombre de cycles là-dessus. Alors, Dominique, avant justement de nous dresser la situation à travers des cartes, hein, vous êtes venu avec quatre cartes, on va les projeter. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez préciser encore le rôle de ces eaux souterraines invisibilisées, pour reprendre votre terme, dans ce cycle naturel de l'eau? Parce qu'on aurait pu inviter un représentant de Météo France pour qu'il nous dresse la situation du point de vue de la pluviométrie, quelqu'un de l'Office français de la biodiversité, etc. Aussi. Mais il nous a semblé plus intéressant de partir des eaux souterraines parce qu'elles ont un rôle fondamental et elles procurent l'essentiel des besoins ou de la demande en eau en France comme ailleurs. Voilà. Alors, je vais peut-être parler de la situation française, hein, parce qu'on a quelques petits écarts. En France, on a la chance effectivement de disposer d'un grand nombre de ressources d'eau souterraine, puisqu'on a 6500 aquifères qui ont été reconnus, identifiés. Et à partir de ces eaux souterraines, on fournit 67% de l'alimentation en eau potable. Donc, dans la plupart des régions et des villes. Hein, 67%, oui, tout à fait, globalement. Hein. Donc, on verra après, parce qu'on a, quand on a échangé avec Sylvain, de voir un petit peu la disparité qu'on peut avoir dans les territoires. Cela dit, on dit aussi que 25% des eaux de surface, donc de nos cours d'eau, des lacs, sont aussi des eaux souterraines, puisque c'est l'affleurement de cette eau souterraine par rapport au niveau du sol qui fait ça. Et en été, dans certains secteurs, ce n'est pas 25%, mais ça peut être 80 ou 100% qui sont en fait des eaux souterraines. Donc en fait, on a du mal à voir cette interaction et on essaye de le montrer assez fréquemment. Et vous avez des grands bassins. Donc moi, je suis basée, je ne suis pas à Paris, vous m'excuserez, mais parce que nous avions, pour aider dans le cadre du plan eau, nos hydrogéologues qui étaient en réunion ici à Orléans, sur le bassin de la Loire, nous avons des situations très différenciées. Et donc, on sait qu'on a une très grande nappe sous ce bassin de la Loire, on a une nappe qu'on appelle la nappe de la Beauce, qui donc interagit avec des cours d'eau, la Loire, mais aussi l'Essonne, par exemple. Et donc, on peut arriver à avoir des interactions assez fortes, qu'elles soient dans un sens positif ou négatif, j'allais dire, puisque lorsqu'on a vu la dernière crue de la Seine, par exemple, une partie de la crue de la Seine qu'on croyait être que de l'eau souterraine, c'était aussi la nappe qui était pleine, saturée et qui remontait et qui affleurait au niveau donc du sol. Et on se retrouvait avec des zones inondées, mais qui n'étaient pas inondées par le cours d'eau, mais par la nappe qui était saturée. Encore un mot sur comment les outils, avant d'en venir au diagnostic de la situation et sur ce que vous pouvez nous dire des évolutions à venir, un mot sur les outils très nombreux que vous déployez pour capter, recueillir des données qui s'ajoutent à celles d'autres acteurs que j'ai cités, Météo France,
français, etc. Mais peut-être que le public ignore cela. C'est le pays est parcouru et parsemé de capteurs et d'interventions humaines également pour rendre compte. Prêt, voilà, aussi. Je vous laisse le soin de la question. Oui, quand on échangeait, vous me disiez les cartes qu'on voit en ce moment en cas de stress, on voit souvent BRGM. Et donc, d'où ça vient? Donc, en fait, on dispose d'un réseau de suivi qu'on appelle le suivi piézométrique, c'est-à-dire du niveau d'ENA, quelle qu'elle soit. Ce réseau piézométrique a été mis en place dans le cadre d'une directive européenne qui s'appelle la directive 4 sur l'eau, qui est un peu la réglementation évoquée aussi par Julie, qui nous gère. Le BRGM a la charge d'une grande partie de ce réseau piézométrique, donc nous produisons de la donnée sur il y a 1800 piézomètres, on en a à peu près 1700 en gestion par le BRGM, d'autres sont suivis par des collectivités locales, par des syndicats d'eau. Sur nos ouvrages, on en a pratiquement la totalité maintenant, sont équipés de capteurs qui émettent donc en temps réel le niveau d'eau. Et ce niveau d'eau est repéré par rapport à la position de cet ouvrage, et donc avec une date à laquelle, et ces données sont transférées aujourd'hui dans une base de données nationale qui s'appelle ADES, l'accès aux données des eaux souterraines, et sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des données, parce qu'il y a nos données, mais aussi tous ceux qui produisent de la donnée sur les eaux souterraines, qu'elles soient en quantité ou en qualité, vont venir amender, compléter cette base de données dans le temps. Et donc, on peut disposer d'un certain nombre de points sur lesquels on a 60, 70 ans de mesures qui nous permettent de regarder l'évolution dans le temps. Et à partir de ces mesures qu'on va agréger au travers de ce qu'on appelle communément une masse d'eau, c'est-à-dire un volume qui est un petit peu homogène, qui correspond à un contexte géologique, à un certain périmètre, qui peut échanger avec d'autres périmètres qu'on peut évoquer, qu'ils soient de surface ou souterrain. Et à partir de ça, on va calculer donc un indicateur qui est bâti pour mettre cette carte de sécheresse. C'est celle-là peut-être que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez donc, possibilité de la carte. Voilà. Donc là, vous avez la carte qu'on a produite il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la première. Dominique, excusez-moi, j'invite vraiment le public à se rendre sur votre site qui est vraiment d'informations et de représentations cartographiques qui permettent de bien apprécier et valoriser ces données et les interpréter. Pardon. Je ne pense pas que ce soit la bonne carte. Celle-là, on l'avait mis en dernier, mais ça ne fait rien. Vous pouvez peut-être basculer sur la suivante. Voilà, celle-là. Vous avez une belle carte de couleur. Donc, en fait, c'est la situation là, qui a été produite donc, au 1er mai, qui a été débattue récemment, que vous pouvez voir. Et vous avez un code couleur assez simple qui vous explique comment se situent les aquifères en termes de niveau, de quantité, par rapport à une moyenne sur 30 ans. Et donc, vous voyez, j'espère, aussi, il y a des petites flèches qui montent ou qui descendent ou qui sont en égal. Donc, vous voyez, dans tout ce qui est en bleu et en vert, c'est une situation qui est plutôt favorable, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des aquifères qui donc sont plutôt pleins. Et puis, au contraire, vous avez des secteurs sur lesquels on a un déficit par rapport à ces moyennes. Et ce sont tous les secteurs qui sont donc en orange et voire en rouge. Donc, ça vous amène effectivement à considérer là où on peut avoir des difficultés dans le futur, si on a beaucoup d'usages qui vont aller prélever là-dessus. Et la carte, grosso modo, va vous résumer ce qui s'est passé pendant tout l'hiver, puisqu'en fait, la recharge des nappes se fait essentiellement de l'automne, l'hiver et début de printemps, quand on a des températures qui sont assez faibles, que la végétation est aussi endormie, et donc elle prélève beaucoup moins. De fait qu'on a une température aussi faible, on a moins d'évaporation, donc l'eau qui pleut, donc mesurée par Météo France, peut repartir assez rapidement donc vers l'atmosphère dès lors qu'on a des températures qui augmentent. Et donc cette année, on a encore eu une recharge qui a été plutôt courte et peu intense pendant l'automne, pendant l'hiver. Vous vous souvenez, en janvier, février, on comptait le nombre de jours sans eau. Donc, peu de précipitations. Il y en a eu effectivement en mars et en avril, un peu plus qu'avant. Et donc, en fonction du type des aquifères, on a deux grandes catégories. On a des nappes qui sont assez réactives parce que aux précipitations.
de par leur forme et leur structure et la proximité par rapport au sol. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus inertes, les plus grandes, les plus profondes, sur lesquelles la recharge est plus faible. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, sur un certain nombre de ces nappes qui sont inertielles, eh bien, on n'a pas eu d'effet. Au contraire, la baisse a continué. Et puis, on a des nappes réactives, par exemple le massif armoricain et la partie Normandie ou le Grand Est, où effectivement, les nappes réactives ont été réalimentées par les nappes en question. Donc, à partir du mois de mai, en règle générale, on est plutôt en phase de vidange, c'est-à-dire que les prélèvements sont supérieurs aux apports et donc les niveaux commencent à baisser jusqu'à l'automne. C'est pour ça qu'on émet, en termes de prédiction, des alertes en disant ben, attention, voilà la situation. Donc, vous voyez les secteurs sont effectivement qui sont en termes de difficiles. Alors, ça, c'est que de la quantité. Et vous pouvez imaginer que lorsqu'on a des réserves qui sont un peu plus faibles, on peut avoir aussi des problèmes de qualité qui y apparaissent, puisque si on a des pollutions qui sont avérées, on a moins d'eau qui intervient, donc on peut se retrouver avec des problèmes de qualité assez importants qui viennent réduire encore la possibilité de les utiliser, notamment pour faire de l'eau potable ou de l'irrigation. Au passage, hein, c'est l'occasion de rappeler que le rôle du BRGM, c'est aussi d'apprécier la qualité de l'eau et de détecter des pollutions ponctuelles ou diffuses. Hein. Ou diffuses, tout à fait. Et en l'occurrence, je vous avais proposé, il y a une carte sur des pesticides qui montrait un petit peu l'état de la situation. Elles ont été mélangées. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez, à gauche, c'est la partie 2010, 2018, donc à droite. Et donc, vous voyez, vous avez l'impression que vous avez effectivement une dégradation importante de la qualité de l'eau, c'est lié aux pesticides. Alors, il faut savoir qu'entre les deux, il y a aussi eu une augmentation de la liste des substances qu'on a recherchées. Et donc, on a été amené à, entre guillemets, à déclasser un certain nombre de ces réserves du fait, effectivement, qu'on a recherché de nouvelles substances et que en recherchant de ces nouvelles substances, on les a trouvées en quantité significative supérieure à des valeurs, par exemple, pour l'eau potable. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je voulais vous illustrer un petit peu là-dessus. Donc, c'est pas aussi simple que ça dès lors qu'on a affaire au milieu souterrain. Donc, on a pas mal de substances qu'on peut retrouver. Et vous trouvez l'information aussi dans Hades, si vous voulez chercher, en fonction des substances auxquelles vous vous intéressez. Avant de faire réagir Julie, ces deux séries de cartes illustrent la manière dont vous pouvez établir des diagnostics à l'instant T, en temps réel. Mais la vocation du BRGM, c'est aussi de prévoir, d'anticiper, et c'est ce que illustre une autre série de cartes. Oui, vous pouvez remonter Voilà, celle-là, tout à fait. Non, c'était celle où il y avait les trois cartes. Oui, voilà, en fait, on est amené, parce que Julie parlait de la durée et de l'échelle de temps, on a plusieurs types d'outils. On peut faire, c'est la petite courbe où vous voyez des mesures en bleu en haut, où effectivement, vous voyez, c'est des mesures que l'on fait. Vous avez une chronique qui est assez longue. Et puis, à l'instant T, on va nous demander de prédire ce qui se passe à quelques semaines, quelques mois. 2-3 mois, en règle générale, pendant la phase d'été. Et donc, on a développé un outil qui s'appelle Météonap, qui nous permet d'aller effectivement prédire assez rapidement sur un certain nombre des points que vous avez sur la carte, quelles vont être les tendances en fonction des tendances climatiques. C'est-à-dire que Météo France va faire des tendances climatiques et nous, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, récemment, Météo France n'avait pas pu produire ses chroniques. Et donc, nous, on a dit, on va regarder s'il pleut 10%, s'il pleut 20% de ce qu'on a l'habitude, qu'est-ce que ça peut faire. Et donc, nos courbes vont venir dire vers quoi on s'oriente sur un certain nombre d'ouvrages qu'on connaît bien, qui ont des longues séries et qui sont un peu références de ces eaux souterraines. Vous avez la carte du milieu. En fait, on travaille dans un consortium, oui, toujours le même, où on est en train d'agréger l'ensemble de nos modèles régionaux. Donc, vous voyez, la carte couvre à peu près un tiers du territoire.
Mais ça, ce sont des modèles qui sont un peu plus complexes, puisqu'on intègre beaucoup plus d'informations sur ce qu'on connaît du sous-sol. Et on va, là, retravailler à une échelle un peu plus longue pour permettre de voir les situations qui vont se profiler au cours de l'année et voire de quelques années. Et puis, vous avez tout à fait à droite, on a des outils qui nous permettent d'aller regarder au-delà de la décennie, voire de plusieurs décades. Et donc là, c'était le résultat d'un grand projet qui a eu lieu donc en 2010-2012, qui s'appelait Explore 70, où vous voyez, il y a un dégradé de couleurs, là aussi, où on regardait quel serait l'écart par rapport à la situation actuelle. Et c'est la situation pour les eaux souterraines, mais on a exactement la même pour les eaux de surface. Et vous voyez grosso modo que toute la partie ouest et sud aurait, hormis sur une petite partie qui est en vert, donc des baisses significatives donc des ressources dans les eaux souterraines du fait du changement climatique. Et la situation dans le nord serait un peu plus favorable, mais cela dit, on aurait aussi des baisses qui auraient lieu. Ce projet est en cours d'actualisation avec un grand consortium, et bon, il s'appelle Explore 2. Et donc, les premiers résultats vont être attendus donc à cet été. Et on aura les premières prévisions sur la météorologie, puis on aura les prévisions sur les cours d'eau et sur les eaux souterraines qui viendront du fait de leur interaction. Tout ça, c'est prévu donc entre cet été et l'été prochain. Avant de revenir à la dernière série de cartes qui illustre la disparité territoriale des situations et d'entendre Julie Trottier, je signale qu'un de nos webinaires ou webineuses vient de glisser une interrogation là qui est une demande de précision. Les nappes les plus fades sont-elles celles le long du Rhône et dans le sud? Alors, je suppose que si on remonte à la carte qui était identique qu'on a présentée en premier, alors je ne sais pas ce que c'est qu'une nappe, les fades, mais peut-être, voilà, je pense que c'est ce que vous voyez ici sur cette carte-là, où vous avez effectivement le couloir du Rhône et le pourtour méditerranéen, d'accord? Je pense que c'est de ça dont vous parlez. Donc, voilà, en grand, c'est pour ça que vous le voyez. En fait, là, on a une combinaison en fait, entre plusieurs actions. Il y a eu moins de précipitations et qui plus est, on a un certain type de nappes qui font qu'elles sont effectivement là aussi assez peu réactives. Et bilan de l'opération, on se retrouve avec effectivement un secteur qui est plus impacté que sur d'autres secteurs. Alors, notre webinaire, c'est un webinaire, précise que c'est les nappes dont les recharges ont été les plus fades. Effectivement, c'est les recharges les plus faibles qui sont là. Et c'est à chaque fois, il faut que vous imaginez, c'est un état de la ressource par rapport à une moyenne. Et ces cartes-là sont faites à partir des mesures. Donc, c'est bien de la mesure constatée, ce n'est pas une prédiction, c'est de la mesure. Donc, on regarde où se situe ce niveau d'eau par rapport aux moyennes. Et donc, c'est effectivement le fait que les recharges ont été plus faibles. Et comme c'est une question de balance entre les entrées et les sorties, eh bien, on a des baisses qui sont plus significatives. Cette carte illustre déjà en soi les disparités territoriales, mais revenons quand même à la toute première, voilà, celle-ci. Celle-là. Et donc ça, c'était, on évoquait le fait qu'on parle souvent de certains aspects. Les grands chiffres que je vous ai donnés sont effectivement très variables d'une région à l'autre. Donc sur ce que vous avez tout à fait à gauche, c'est une représentation donc du territoire français où vous avez les camemberts qui sont la grosseur est lié au volume qui sont effectivement prélevés. Et vous avez un code couleur qui correspond à la nature du prélèvement. Et donc, vous voyez par exemple sur le secteur Les Alpes, etc., on prélève de l'eau, notamment pour les centrales électriques qui étaient évoquées au tout début dans l'introduction. Et puis, vous avez des secteurs où effectivement, on n'a pas ce type d'usage et vous voyez une répartition des prélèvements entre l'eau pour l'eau potable, l'agriculture et l'industrie.
Et sur la carte que vous avez à droite, quand je vous disais 67% en moyenne sur la France qui de l'eau potable qui vient des eaux souterraines, eh bien vous avez là aussi, département par département, ce ratio entre donc quelle est la part de l'eau souterraine dans l'alimentation de l'eau potable. Et vous voyez qu'il y a des secteurs où on monte jusqu'à plus de 75%, voire 80%, et quelquefois 90% qui vient de l'eau souterraine, d'où l'impact que ça peut avoir sur l'alimentation en eau potable, dès lors qu'on peut avoir un problème soit de quantité, soit de qualité. On voit à travers ces différentes cartes, merci beaucoup Dominique Darmandral, à quel, le haut niveau de connaissances dont on dispose pour apprécier, évaluer la situation, l'anticiper, etc. Et alors j'aurais une question peut-être les investissements à consentir encore pour améliorer ce niveau de connaissance. Et en disant ça, je pense à une préconisation du rapport du CESE, j'y reviendrai. Mais auparavant, j'aimerais faire réagir Julie Trottier avec son regard de chercheur des sciences sociales. Est-ce que vous faites usage de ces documents? Oui, mais alors avec un regard pour y percevoir des formes de représentation du monde ingénérial, etc. Moi, je salue la rigueur du travail de BRGM et je suis très reconnaissante qu'on puisse se baser sur des données aussi bien travaillées et j'ose jamais dire précise parce qu'il y a toujours une marge d'erreur dans n'importe quelle mesure, sérieuse, voilà. Et maintenant, c'est comme les données démographiques. Vous pouvez prendre les mêmes données démographiques et dire nous devons faire une réforme des retraites. Vous pouvez prendre les mêmes données démographiques et dire il ne faut surtout pas faire de réforme des retraites. Ça dépend comment vous les interprétez, ça dépend quel acteur s'en empare, ça dépend comment vous allez les situer dans les mécanismes socio-économiques. Soit dit en passant, je suis pas seulement chimiste, hein, je suis retournée aux études et j'ai fait tout Sciences Po, hein, quand même. Mais bon. Et alors là, dans ce cas-ci, j'aimerais réagir sur 4 points. J'avais pas de bip, mon Dieu. D'une part, la DCE, faudra y revenir. Une des grandes innovations de la directive cadre européenne en 2000, c'est que c'était une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Ça, il faudrait peut-être qu'on y revienne plus tard. Ça a beaucoup changé les choses en France. Une autre chose, c'est quand je regardais les cartes que vous nous montrez, certains aquifères sont très peu remplis. Prenez le Gard, en tout cas, j'ai récemment dans le Gard, dans le nord-est du Gard, les aquifères étaient remplis à 50% selon vos cartes. Il a plu récemment, mais je ne sais pas si ça fait une grande différence. Donc il y a des endroits où des arrêtés de sécheresse ont déjà été pris par les préfectures. Et la lecture de ces arrêtés de sécheresse est édifiante. Le projet d'arrêté de sécheresse qui était mis à discussion publique dans le Gard précisait 4 niveaux d'alerte. Premier niveau d'alerte, vigilance, demander aux gens de faire attention, pas laver leur voiture, etc. Après, niveau d'alerte plus grand, niveau d'alerte renforcé, niveau de crise. Et à chaque fois, en disant, on va essayer de prélever 30% de moins dans le milieu, 50% de moins dans le milieu, puis après, ce sera ce que le préfet vous dira comme interdiction. Eh bien, il y a cette merveilleuse ligne disant qu'il y a des exonérations. Et on voit l'agriculture sous contrat est exonérée des mesures de crise. C'est merveilleux ça. Pourquoi l'agriculture sous contrat? Dans d'autres arrêtés de sécheresse, on peut lire les utilisations produisant plus de valeur ajoutée seront moins sujettes à restrictions que les autres. Je vous laisse poursuivre, mais on reviendra sur cette notion d'agriculture sous contrat important. C'est essentiel. Voilà. On peut y revenir tout de suite, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est une agriculture sous contrat? Ça veut dire que lorsqu'un agriculteur sème sa récolte, il l'a déjà vendue. En général, à McDo, à Sainsbury's en Angleterre. Si vous allez en 2004, en Zambie, vous aviez de l'agriculture sous contrat pour toutes les grandes exploitations de haricots verts et je vous mettais au défi cette année-là de trouver un traître haricot vert dans un supermarché anglais qui ne venait pas de Zambie. Ça, c'était entièrement de l'agriculture sous contrat. Alors, l'avantage pour l'agriculteur, c'est qu'il n'a pas cette incertitude de mise sur le marché. Il sait qu'il a intérêt à produire un maximum parce qu'il sait que ça va être vendu à ce prix-là.
Le désavantage pour l'agriculteur, c'est qu'il n'est plus qu'un technicien sur sa propre terre. Il a un cahier des charges extrêmement précis. Il doit, s'il doit faire 5 traitements alors qu'il connaît sa terre, il connaît son micro-écosystème, il sait très bien que 2 traitements, ça suffirait. Les agriculteurs sont quand même pas bêtes. Ils savent que c'est pas bon pour leur santé d'utiliser des intrants chimiques. Donc, s'ils savent que 2 traitements, ça suffit au lieu de 5, en général, s'ils ont le choix, ils mettront que 2 traitements. Mais là, il va être obligé de se tenir à son cahier des charges, sinon son contrat est nul et non avenu. Alors, cette agriculture sous contrat, c'est celle qui est le plus intégrée dans les mécanismes globalisés et c'est celle qui est le plus portée vers l'exportation. Et c'est celle qui doit évidemment, elle est industrialisée dans tous les sens du terme. Parce que pourquoi est-ce qu'on irrigue? On irrigue pour voilà, 2 raisons. Il y a la production. Excusez-moi, Julie Trottier, arrêt sur image. Elle a des incidences directes sur le niveau, alors de prélèvement d'eau par les agriculteurs à revenir. Travers l'irrigation. On va y revenir. Oui, évidemment, à travers les... Parce que vous pouvez très bien, très souvent, avoir la même production en termes quantitatifs. Sans irriguer, rien qu'en pluvial. Absolument. Mais si vous irriguez, vous allez contrôler votre production. C'est-à-dire que vous aurez les pommes de terre exactement voilà. Le calibre recherché par l'usine qui fait les potato chips aux États-Unis ou je ne sais pas où. Et vous aurez surtout vos pommes de terre à ce calibre-là, à la date où l'usine la veut. Donc vous contrôlez complètement votre production. Ça, c'est un modèle qui a vraiment été développé dans le désert américain où on a amené l'eau gratuitement aux frais du contribuable à partir des années 30. Et c'était parfait pour les agrobusiness parce que, comme il ne pleuvait pas, elles pouvaient totalement contrôler l'apport d'eau à leur récolte, le soleil ne manquait pas, et donc elles contrôlaient totalement leur production. Et puis, c'est ce modèle que l'agriculture sous contrat veut faire. Donc, on pourrait avoir une réponse politique qui dirait « nous souhaitons prioriser la souveraineté alimentaire territoriale, nous souhaitons prioriser les circuits courts, nous souhaitons prioriser d'autres formes d'agriculture », mais c'est très clair, quand on lit les arrêts sécheresse, quelle forme d'agriculture, quel modèle économique est privilégié. On y reviendra lors du prochain webinaire et puis lors du séminaire. Là, je me permets... Et Dominique est totalement innocente de tout ça. Oui, merci de la rassurer. Pour une fois. Mais vous évoquiez 4 points, là je pense qu'il y en a alors, trois. Alors, un autre point qui est important, c'est que quand on voyait la carte, oui c'est le troisième, quand on voyait la carte avec vos gros points rouges, là, où c'était les prélèvements énormes pour l'énergie, il y a 2 types de prélèvements. Il y a le prélèvement qui sera utilisé et pas consommé, et le prélèvement qui sera consommé. Parfait. Pour l'heure, en France, pour l'instant, on peut consommer l'eau seulement de 3 manières. Soit l'eau va s'évaporer, par exemple, la pluie tombe sur un parking, sur un sol imperméable, et puis elle s'évapore quand le soleil revient. Soit elle s'évapore, soit elle est transpirée par un animal ou une plante, sachant que nous sommes des animaux aussi. Hein. Et les plantes transpirent beaucoup plus que nous parce qu'elles, contrairement à nous, ne peuvent pas se mettre à l'ombre. Donc partout dans le monde, l'agriculture, c'est la première consommatrice d'eau. Hein. Et puis la troisième manière que l'eau peut être consommée, c'est si elle atteint la mer. Il y a une quatrième manière de consommer l'eau, qui commence à peine à poindre en France, mais il faut quand même l'inclure, parce qu'à venir, ce sera des choix de société à faire, c'est la production d'hydrogène. On produit, maintenant, l'Allemagne mise sur l'hydrogène comme nouveau carburant, soi-disant vert. J'ai d'énormes réserves quant à son caractère vert, parce qu'on fait l'hydrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène. Et on dit ensuite, on reforme l'eau dans le moteur à hydrogène, certes, mais on le reforme souvent, on la reforme sur un continent différent et très très loin. Et en plus, aucun moteur n'est à 100% efficace. Donc, on ne va pas reformer toute l'eau qu'on a détruite par hydrolyse. Je n'ai pas compris le cheminement qui vous conduit des cartes de Dominique à... Regardez la carte Dominique, faites attention. Quand vous voyez ces énormes prélèvements, par exemple, pour refroidir les réacteurs nucléaires, c'est de l'eau qui va retourner au milieu. D'accord. Donc, c'est prélevé, mais ce n'est pas consommé. Et voilà, en fait... C'est ça. Et donc, on ne suit pas les consommations. La difficulté, c'est qu'on suit les prélèvements, on ne suit pas les consommations. Et voilà toute l'astuce. Et voilà tout le drame. C'est que vous êtes rigoureux. Vous êtes, justement, votre honnêteté scientifique
fait que vous nous montrez les prélèvements et que vous ne pouvez pas nous montrer les consommations. Alors que ce qui compte, c'est les consommations. Mmh. Et ça m'amène à mon quatrième point. Arrêt sur image, parce que les consommations, à la différence des prélèvements, ne retournent pas. Les consommations sont évaporées. Ben voilà. Donc ça va peut-être retourner sous forme de pluie, voilà. Pluie en au Pakistan, où franchement, mmh. ils n'en ont pas besoin avec les inondations qu'ils ont. Voilà, c'est ce que vous avez ou bien ça, c'est évaporé, transpiré, ou ça atteint voilà, la mer. Pardon. Donc ça quitte le système mmh. terrestre. Tout à fait. Tant que l'eau est dans notre système terrestre, même si sa qualité se dégrade, on peut encore espérer en faire quelque chose. Et quand je dis espérer en faire quelque chose, il n'y a pas que nous. Il y a les utilisateurs non humains. Le ver de terre dans le sol est traversé par l'eau et lui ne le consomme pas, mais il l'utilise. Et si vous, comme disait Dominique, l'aquifère souterrain est lié à l'eau de surface, si vous pompez dans l'aquifère souterrain et que vous privez le ver de terre d'eau, vous détruisez la biodiversité qui est dans le sol. Plus de 24% de la biodiversité existe dans le sol. Quatrième point. Le quatrième point, c'est que justement, parce que là j'avais parlé des zones où il y a sécheresse, arrêté de sécheresse, il y a aussi des zones où on voit, ah, bonne recherche des nappes. Alors là, vous avez des acteurs qui vont dire, ah, mais c'est très bien, donc je peux pomper, je peux mettre dans mes méga-bassines, je prive personne, parce que la nappe, elle est bien remplie, n'est-ce pas? Mais le fait est, c'est que si vous pompez pour mettre dans votre méga-bassine, vous perturbez ce système d'aquifère qui est lié aux eaux de surface. Et donc, vous allez aussi, déjà, embêter le ver de terre. Hein. Excusez-moi, je prends le ver de terre comme animal emblématique, mais vous avez des populations bactériennes très importantes dans le sol. Et c'est toute cette biodiversité dans le sol qui fait que la terre est capable de faire vivre les végétaux qui y poussent. Donc, on ne parle pas de quelque chose d'insignifiant ici. Si vous dites, je peux donc prélever puisqu'elle est bien remplie, et je remplis ma méga-bassine, je fais de mal à personne. Non, vous impactez tout un système d'eau de surface et d'eau souterraine. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'alors vous changez la trajectoire de l'eau d'une trajectoire A à une trajectoire B. Et dans votre trajectoire B, vous allez mener l'eau immédiatement en première utilisation à une utilisation consommatrice. Parce que si vous faites une méga-bassine, si vous êtes une agro-business, vous avez un système d'irrigation probablement au goutte à goutte, en tout cas, où vous allez faire évapotranspirer le maximum de l'eau que vous prélevez, parce que c'est comme ça que vous définissez votre efficience. Mais votre efficience au niveau de votre parcelle n'est pas l'efficience au niveau d'échelle plus globale. Et donc, ces cartes sont très justes et elles sont très importantes et nous devons les utiliser pour avoir un débat démocratique à propos de notre utilisation de l'eau. Mais ce qu'il faut faire bien attention, c'est la manière dont certains acteurs s'en emparent pour justifier leur stratégie par rapport à l'eau et la présenter comme une solution au changement climatique, alors qu'en fait, c'est créer un problème encore plus grand que celui auquel on est confronté. Je vous laisse bien, merci Julie Trottier, c'est extrêmement stimulant. Je vous laisse réagir Dominique Darmandra et je glisse juste une réflexion, c'est qu'il me semble que tous les documents que vous produisez, les données, sont destinés à non pas interpréter, mais à être aussi objectif que possible, mais à éclairer les décideurs, quels qu'ils soient. Donc, voilà. Faut peut-être préciser que toutes les données de base sont aussi disponibles, c'est-à-dire que on met à disposition cette information. Après, c'est comme le disait Julie, il va falloir que cette information soit utilisée pour un certain nombre de décisions, et notamment quand vous parliez des arrêtés sécheresse. En fait, l'arrêté sécheresse est un arrêté qui va essayer d'anticiper l'arrivée à la situation de crise, c'est-à-dire essayer d'éviter qu'on ait une rupture dans l'alimentation, qu'elle soit en eau potable, qu'elle soit pour un certain nombre de besoins que l'on peut avoir. Ça peut être pour les hôpitaux, les centrales nucléaires que vous évoquiez, ou l'agriculture, quel que soit l'usage. Donc, en fait, l'arrêté, on est déjà dans une phase d'anticipation. On quitte la situation telle qu'elle est et on va essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer et comment on peut essayer de retarder le moment où on dépasse un certain seuil. Donc, c'est à ce stade-là, en fait, que ces cartes de sécheresse, donc on fait quatre niveaux, c'est pour permettre effectivement de commencer avec des mesures assez douces pour voir si on peut agir effectivement, efficacement, pour éviter de passer ce seuil et de passer à côté. Donc, effectivement, après, il y a des décisions. Quand je voyais le tout premier schéma de Julie, ben, par exemple, les barrages avec la production électrique, ben, alors, tous leurs enjeux, c'est de savoir est-ce qu'il faut produire de l'électricité quand il y a besoin de pics et maintenir
un niveau d'étiage pendant les mois qui vont venir, jusqu'où je vais relarguer une partie des volumes que j'ai stockés avant de pouvoir maintenir ça. Oui, Julie, je vois la main. Rien à dire à ça. C'est extraordinaire ce qui se passe pour quelqu'un qui est en sciences politiques. C'est que j'avais observé pour la Garonne un jeu de chat et souris entre EDF et le SMEAG, le syndicat mixte d'études d'aménagement de la Garonne. Parce qu'il y a des quantités d'eau qui sont prévues dans le réservoir pour l'irrigation en été et des quantités d'eau pour le turbinage. Mais évidemment, si EDF turbine, l'agriculteur peut quand même irriguer. Donc, quand est-ce que vous allez demander votre quantité d'eau pour votre quota? Ben, vous allez attendre, voir quand EDF va turbiner. Et c'est vraiment un jeu de chat et souris, parce qu'il vaut mieux, en fait, que ça passe sur le quota d'EDF quand vous allez irriguer. Enfin, c'est normal, hein, je ferai la même chose si je veux. Et c'est, on a ces jeux de chat et souris constants. Comme quoi, c'est la dimension humaine, sociale, est profondément importante dans notre gestion de l'eau. Même si on a établi des quotas, le simple fait d'aller de le demander maintenant, aujourd'hui ou demain, ça, c'est une question qui relève d'enjeux politiques et économiques. C'est peut-être même un peu plus complexe parce qu'en fait, souvent, c'est à l'intérieur des bassins dans lesquels se situent en fait ces différents usages qu'il y a des commissions locales qui discutent un petit peu de savoir quelles doivent être les tendances sur la base des informations aussi factuelles que possible. Et donc, c'est effectivement une discussion qui est faite, loin d'être facile. Hein. Et même quand il y a des accords, eh bien, quand la situation se tend, on sent bien que les accords qui ont eu lieu sont un peu plus difficiles. Mais effectivement, c'est un vrai enjeu. Alors, je vois qu'il y a des questions sur la consommation et puis qu'est-ce qui repart en évapotranspiration et qu'est-ce qui part à la mer. Il y a des grands chiffres globaux. Alors, vous faites allusion, Dominique, à une question Il y en a un. Alors, peut-être pour expliquer, ça explique aussi le pourquoi. Si vous écoutez, il y a souvent des personnes qui parlent de très grands chiffres, donc ils prennent par exemple la pluviométrie moyenne, c'est ce qui tombe sur la France. On vous dit on a plus de 500 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur la France, sur l'ensemble du territoire, et ça c'est en moyenne sur 30 ans. L'année dernière, c'était pas 508, c'était 384. Donc vous voyez que ça change. Le prélèvement dont on parle, hein, tous les usages, c'est autour de 32. Donc, on entend aussi beaucoup de personnes qui disent ben, on a 500 milliards ou même 384 versus 32, on a de la marge. C'est ce que disait Julie là tout à l'heure. Eh bien, est-ce qu'on peut se permettre d'aller plus loin? Alors, si quand on prend cette pluie, hein, c'est 500 ou 384, on en a 60% qui repartent par évaporation, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Julie. Donc, une grande partie s'évapore en relation avec la température sur le sol, sur les parkings, sur tout ce qui est lié à ça. Quand on va prendre après l'évapotranspiration, donc on rajoute encore un petit peu d'informations là-dessus. Et puis, il y a ce qui va ruisseler vers les cours d'eau, donc vers le cours d'eau, puis vers la mer, eh bien, on est entre 15, 16, un peu plus de pourcents. Donc, on a aussi des frontières. Donc, il y a des fleuves qui traversent la frontière, qui nous amènent de l'eau. Donc, vous voyez que les bilans qu'on peut faire sont assez à grande maille, on va dire, déjà. Mais la partie qui est réellement utilisable, et c'est la partie qui est renouvelable, c'est-à-dire celle qui va être non transpirée, par les plantes, non évapotranspirée. Donc, en fait, c'est cette partie-là qui est effectivement disponible potentiellement pour des usages qui vont se renouveler. Donc déjà, on réduit considérablement la part qui est utilisable. Et puis après, elle n'est pas aussi facilement accessible. Donc quand on veut l'utiliser, il faut qu'elle soit accessible à un coût environnemental, économique, social qui soit acceptable. Et donc c'est là aussi qu'on réduit encore une partie de l'utilisation qui est possible. Si on vous disait qu'il fallait aller chercher l'eau à 1000 mètres de profondeur, il va falloir faire un forage de 1000 mètres, ça coûte cher, il va falloir l'entretenir, le maintenir, etc. Donc, voilà un petit peu l'idée sur le sujet. Alors,
Dominique, s'il vous plaît, avant de verser de l'eau... Il y avait d'autres questions. Mais... Oui, alors justement... J'aimerais bien prendre la question de Monsieur Lavelle. Avant de verser de l'eau dans le moulin de la discussion entre les deux chercheuses que vous êtes, justement, je voulais faire un point sur les questions. Il me semble que vous avez répondu, vous, Dominique, à la question de Camille Bossio. Est-ce qu'il y a des limites de prélèvement à respecter sur les nappes? Oui, bien évidemment. Quels peuvent être les impacts du dépassement? Mais ça, je vous laisse le soin de... Il y a quelqu'un, Monsieur Lavelle, qui a répondu. Si je peux me permettre de répondre, je voyais effectivement il y a des limites pour les gros prélèvements. Hein, effectivement, vous êtes obligé de passer par une autorisation qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Et ça, c'est établi sur la base d'études sur la situation passée et existante, qui va permettre de définir quelle est votre autorisation de prélèvement. Et donc après. Si on veut les réduire ou les augmenter, il faut faire une demande et il faut refaire un ajustement de cette étude pour permettre de savoir si effectivement on a la capacité ou non. Et à l'heure actuelle, on a des arrêtés de prélèvement qui peuvent être importants, par exemple, pour certains usages. Et du fait de la situation de crise, les préfets vont être amenés à intervenir auprès de ces usagers pour qu'ils réduisent leurs prélèvements pour s'adapter justement au fait qu'il y a moins de ressources disponibles. Frédéric Richeux, sur la gestion des zones humides en France, est-ce que ça rentre dans votre périmètre? Est-ce que ça fait partie des eaux de surface qui sont en fait des eaux souterraines? Alors là, les situations sont aussi assez variables. Donc, la gestion des zones humides, ça ne relève pas de nous, hein, tout ce qui va être gestion sur le sujet. Donc, il y a des zones humides qui sont non connectées à des eaux souterraines. Il y a des zones humides qui sont connectées à des eaux souterraines. Donc, en fait, on a un certain nombre de situations où, effectivement, on peut être amené à regarder ce qui se passe et quelle est l'origine, par exemple, de leur assèchement. Et donc, quand on peut avoir effectivement ce qui était évoqué tout à l'heure par Julie, les assèchements qui peuvent être liés à différentes sources. S'il y a des gens qui travaillent à Poitiers, parmi les gens qui nous écoutent, je tiens à les saluer, parce qu'à Poitiers, la décision a été prise de changer les parkings, qui ne soient plus goudronnés, mais qui soient avec du gravillon. Infiltrant. Donc, on a transformé une surface imperméable en surface perméable, ce qui permet justement à la pluie de devenir utile, de pénétrer dans l'aquifère et de nourrir notamment des zones humides dans cette région-là. Il y en a beaucoup maintenant, puisqu'on travaille sur Bordeaux, sur Rennes. Il y a beaucoup de villes qui, effectivement, donc, au lieu de désimperméabiliser des zones qui avaient été imperméabilisées par le passé. Et ça permet justement d'augmenter les surfaces sur lesquelles on peut réinfiltrer et donc d'avoir de la recharge. Et c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau des collectivités territoriales. Donc, c'est important de le savoir. Maintenant, pour la question de Joris Mavel, au niveau de la planète, on a 80% des prélèvements qui sont pour l'agriculture. Alors, attention, parce que le public ne voit pas forcément la question. Les questions. Très bien. Il y en a qui répondent. Donc, 80% des prélèvements au niveau planétaire sont destinés à l'agriculture. Et donc, une plus grande proportion est... consommer, parce que l'essentiel de l'eau dans de toute l'eau qui est prélevée, c'est dans l'agriculture qu'on consomme le plus de l'eau prélevée. L'utilisation domestique consomme très très peu. Elle utilise beaucoup, mais elle consomme très peu. En France, les prélèvements pour l'agriculture, c'est le troisième prélèvement. Le premier prélèvement, c'est pour l'énergie, mais ça, c'est un prélèvement qui est à peu près pas consommé. Le deuxième prélèvement, c'est pour l'eau domestique, à nouveau, qui est à peu près pas consommée. Le troisième niveau de prélèvement, c'est pour l'agriculture, mais là, presque complètement consommée. Et l'enjeu pour l'agriculture en France, c'est qu'en été, en période d'étiage, c'est le moment où l'agriculture prélève le plus, et c'est justement le moment où on a tension. On a le moins de ressources disponibles. Voilà. Et certaines cultures, là, je suis désolée, je dois le dire, certaines cultures consomment beaucoup plus que d'autres. Donc, le maïs est extrêmement gourmand et demande à être irrigué en juillet et août. Ce qui fait que choisir, avec un programme comme la politique agricole commune, de subsidier, de pousser la culture du maïs, c'est créer une demande pour de l'eau. Là, on parlait de demande et besoin. En fait, la demande, c'est un concept économique. C'est la quantité d'un bien que vous êtes prêt à payer à un prix donné.
sans que ça corresponde à un besoin fondamental. Pas nécessaire. Peut-être oui, peut-être pas. Moi, j'ai déjà dans un aéroport, j'ai déjà payé 5 euros pour une toute petite bouteille d'eau. Donc, c'était un besoin. Donc, ma demande a été très forte. Mais le besoin est déterminé par la biologie. C'est votre physiologie qui détermine si vous avez besoin de boire ou pas. C'est votre physiologie qui détermine si vous avez besoin de transpirer ou pas. Et vous avez aussi besoin d'un minimum d'eau pour maintenir une hygiène de base, justement, pour ne pas tomber malade. Et donc, il y a les besoins et il y a les demandes. Et en théorie, votre demande peut être satisfaite même si vous êtes en train de mourir de soif. Parce que si vous n'avez absolument aucun argent, votre demande est automatiquement satisfaite. C'est un concept économique. Et ce qu'il faut distinguer, et dans, là je lance la pierre dans notre jardin, nous les scientifiques, quand on regarde la littérature sur l'eau, il y a une confusion constante entre besoin et demande. Pour moi, il est excessivement important de distinguer les deux, parce que c'est le débat auquel on est confronté maintenant. C'est dans ces prélèvements-là, est-ce que c'est des prélèvements qui sont destinés à des besoins ou à des demandes ? Collectivement, on a le devoir de voir à ce que les besoins soient satisfaits, mais on a le droit collectivement de dire, votre demande, je suis désolée, vous voulez ouvrir un golf dans l'Hérault, non, vous ouvrirez pas un golf. Alors j'aimerais profiter là de justement rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, ce que vous avez dit à propos de l'agriculture, et puis précédemment encore sur la désimperméabilisation des sols, etc. Pour savoir, pour que Dominique Darmandraille saisisse l'occasion de nous dire aussi peut-être le rôle de préconisateur que joue aussi le BRGM. C'est-à-dire que vous êtes un producteur de connaissances, de données, pour des diagnostics de la situation, sur la situation à l'instant T, pour faire de la prévision. Mais vous avez aussi, même si c'est pas affiché officiellement, un rôle de préconisateur. En fait, on vient assez régulièrement nous demander qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des défis qu'on rencontre. Alors, ça peut être, si on reprend l'histoire de l'infiltration, dans le passé, on a couvert pour les villes, les routes, tous ces usages, effectivement, sans se préoccuper de l'impact que ça pouvait avoir sur le cycle de l'eau. Julie parlait de Poitiers, mais... Il y a, par exemple, sur Lyon, ils ont fait un très gros travail de savoir effectivement c'était quoi le cycle de l'eau chez eux, qu'est-ce qu'ils auraient à gérer. Et en fait, on s'aperçoit que les eaux pluviales et la gestion des eaux pluviales, c'est pratiquement trois fois ce qui vient de l'alimentation, du fait d'alimenter en eau potable les habitants, mais aussi les secteurs économiques qui sont sur le territoire. Donc, vous voyez que ça génère effectivement pas mal de choses. Et au lieu que ça aille dans le réseau, la station de traitement et dans le cours d'eau, il y a un véritable enjeu à réinfiltrer aux endroits où ça tombe et donc de travailler là-dessus. Et il y a beaucoup de communes qui retravaillent effectivement sur cet aspect-là, pour déjà qu'il y ait moins de choses à traiter au travers des stations d'épuration. Et quand vous avez un gros flux d'eau qui arrive, les stations d'épuration ont du mal à gérer ça. Et donc, on a tendance à avoir besoin de stockage ou de faire un bypass, parce que sinon, tous les processus qui ont lieu au sein de votre station ne peuvent pas avoir lieu. Donc, on a aussi un intérêt à pouvoir réinfiltrer autant que possible. Alors, on va travailler aussi à essayer de travailler à recharger les nappes de façon plus active. C'est vers ça que vous voulez que j'aille, Sylvain. Donc, parce que l'idée, si on transfère dans le sous-sol, le transfert dans le sous-sol prend bien plus de temps que le transfert dans le cours d'eau et donc pour finir à la mer. Donc en fait, si on recharge plus dans certaines nappes, on va utiliser le fait que l'eau transfère plus lentement pour pouvoir conserver cette eau plus longuement dans le milieu et donc qui puisse servir quel que soit l'usage ou pour le milieu, les vers, la microbiodiversité. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille assez régulièrement. Il y a quelques grands projets qui sont en cours. On a été amené aussi à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les eaux usées qui sont traitées au niveau de traitement? Est-ce qu'on peut continuer un certain nombre de traitements et utiliser ce qu'on appelle l'effet filtre qui peut avoir lieu parce que vous passez à travers d'un milieu poreux de plus en plus fin et donc il y a un certain nombre de mécanismes soit physique, soit chimique, soit biologique, qui peuvent se passer. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ces processus et donc réutiliser, là aussi, certaines eaux usées traitées pour certains usages ou
pour lutter, par exemple, contre les biseaux salés. On n'en a pas parlé, mais toutes les communes en milieu côtier, si vous prélevez dans la nappe, vous allez attirer l'eau de la mer ou de l'océan dans l'aquifère et vous allez le saler. Et ça sera donc de moins en moins utilisable. Et donc, on peut faire des barrières hydrauliques. Vous réinjectez de l'eau qui a été traitée, elle continue à se traiter dans le sous-sol, mais vous luttez en fait sur l'intrusion du biseau salé. C'est des choses sur lesquelles effectivement on travaille. Et puis il y a maintenant des gens qui se disent, vous entendez souvent parler d'eau non conventionnelle, mais il y a des eaux comme des eaux dans les carrières, vous exploitez la roche, le sable pour faire des matériaux, il peut y avoir de l'eau souterraine, est-ce que cette eau va peut-être servir à quelque chose d'autre? Pour exploiter la carrière, on est amené à la pomper, est-ce que je peux en faire un usage? Il y a de plus en plus de processus qui se mettent en place au niveau de territoire pour essayer de voir si l'eau qui est un déchet pour un secteur peut être utilisable, donc une ressource pour un autre, et de voir comment chaque goutte d'eau ou chaque litre va pouvoir servir à plusieurs usages. Et en fait, de voir comment on peut organiser comme un circuit court, quand on parle sur l'alimentaire, un circuit court entre des usagers pour que cette eau, effectivement, puisse être réutilisée. Alors, on a peu parlé de l'industrie, parce que derrière l'agriculture, Julie, il y a aussi les autres activités industrielles. Il y a des gros progrès qui ont été faits. Alors, je ne connais pas Coca-Cola, mais 6 litres d'eau pour 1 litre de Coca, c'est intéressant. Mais par exemple, pour parler des embouteilleurs, avant, il fallait 1 litre d'eau en plus pour pouvoir nettoyer et pour faire 1 litre d'eau que vous achetez en bouteille. Vous savez, toutes ces marques sur lesquelles, qui peut être de l'eau minérale, mais qui peut être aussi de l'eau de source, hein, c'est-à-dire la même chose que ce que vous avez à votre robinet, mais dans une bouteille. Eh bien, ils ont réduit considérablement tous les processus pour qu'on ait plutôt autour de 1 litre 2, 1 litre 3, au lieu de 6 litres. Donc, vous voyez, il y a eu des efforts. Il y en a certains des aciéristes qui ont diminué de 40% en 5 ans leur prélèvement et leur consommation parce qu'ils recyclent au sein de leur processus. Alors, on peut se féliciter des progrès réalisés par Coca-Cola si on peut s'autoriser à énoncer des marques. Après, on peut se demander si ça correspond à un besoin ou une demande, mais je vais pas. Moi, non, mais. mais c'est parce que vous me citiez tout à l'heure en introduction. Mais auparavant, j'aimerais qu'on revienne. Je vous laisserai réagir, bravo. Je vous laisserai réagir, bien sûr, Julie, mais laissez-moi aussi annoncer mon souhait de revenir sur ces eaux polluées, parce que c'est un autre sujet d'actualité. La France paraissant en retard, quoique est-ce un retard, par rapport à d'autres pays, mais qui se traduit par un défi pour vous, le BRGM, me semble-t-il, à vous de nous le dire, c'est la nécessité d'interagir avec les instances en charge de la sécurité sanitaire qui se penche sur la question pour savoir jusqu'à quel point on peut utiliser ces eaux usées. Donc je trouve que c'est un cas intéressant parce qu'au cœur de l'actualité et parce que illustratif de l'élargissement possible du spectre d'interlocuteurs qui se pose pour vous. Mais je vous laisse réfléchir. Auparavant, Julie voulait réagir. Pour cette question-là, à Singapour, on utilise les eaux usées pour générer de l'eau potable. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire comme traitement si vous voulez payer. Mmh. Ça devient une technologie très très chère. Mais si vous voulez utiliser vos eaux usées comme source d'eau potable, c'est possible, Singapour le fait. C'est possible, mais avec l'accord des instances sanitaires. Si ce que vous produisez, c'est du H2O et rien d'autre, vous aurez toujours l'accord des instances sanitaires. Hein. On appelle ça des bioréacteurs, ce qu'ils ont, et c'est extrêmement cher. Et il faut se poser la question si la nature ne fait pas mieux le travail pour beaucoup moins cher en faisant vivre la biodiversité. Et pour la réutilisation... Je souris parce que je crois que c'est la chimiste que je viens d'entendre. Pour faire face à l'eau, on doit avoir une attitude interdisciplinaire. Mmh, ouais. Et maintenant, j'aimerais beaucoup aller m'inscrire en biologie. Avant de le faire, vous vouliez réagir. Voilà, la réutilisation des eaux usées, c'est a priori une bonne idée, mais ça peut souvent être une fausse bonne idée. Et il faut se méfier. Parce que si vous réutilisez, comme on le voit dans le plan eau, ils veulent augmenter de 1% à 10% la quantité d'eau usée traitée,
qui vont être réutilisées. Là, d'ailleurs, quelqu'un dans le chat a mis REUT, la reuse. Alors, je ne sais pas pourquoi on utilise l'anglicisme. REUT. Voilà. Et en fait, c'est la réutilisation des eaux usées. Alors, en général, ce que ça veut dire, c'est que vous allez acheminer cette eau usée traitée avec un tuyau jusqu'à une agrobusiness qui va l'utiliser avec un système en goutte à goutte, un système entre guillemets très efficient au niveau de la parcelle. Et donc l'essentiel de cette eau va être transpirée par les plantes. Il faut, pour décider si c'est une bonne idée ou pas, il faut comparer avec la trajectoire B, qui elle serait celle qui aurait eu lieu si vous aviez relâché cette eau usée traitée dans l'environnement. Il faut prendre en compte le fait qu'à Paris, au centre de Paris, le débit de la Seine, c'est à moitié 50% des eaux usées traitées qui ont été relâchées. Donc, si vous voulez développer les eaux de baignade à Paris, si vous réutilisez toutes vos eaux usées traitées, vous faites diminuer le débit de la Seine de 50%. Ça va être difficile aussi par rapport à la dilution des polluants, etc. Et si vous êtes, par exemple, dans le parc de la Mosson à Montpellier, 100% de l'eau de la Mosson qui traverse ce parc, et c'est dans une partie de la ville qui est plutôt déshéritée, donc c'est important d'avoir un parc avec des arbres où les enfants peuvent aller jouer, et bien c'est entièrement, en été, c'est entièrement des eaux usées traitées. Donc si vous réutilisez toutes vos eaux usées traitées en première vie dans l'agriculture, vous lui donnez une seule nouvelle vie, et puis elle est transpirée par les plantes. Tandis que si vous la laissez aller dans l'environnement, entre guillemets, c'est là où l'eau est supposée être, eh bien, elle aura plusieurs vies. Elle traversera le sol, le ver de terre pourra l'utiliser, elle arrivera dans une rivière, elle aura plusieurs vies. Donc, si vous êtes à Montpellier et la station Maréa, la station d'épuration Maréa, en fait, rejette les eaux usées traitées à 10 km de la côte dans la mer, là, effectivement, c'est peut-être une bonne idée de réutiliser les eaux usées traitées en agriculture. Maintenant, de nombreux endroits, vous allez créer beaucoup plus de problèmes que vous n'allez n'en résoudre. On revient à la même question, c'est toujours une question de territoire et une question de regarder ça à la bonne échelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a telle ou telle solution qu'on pourra répliquer à l'identique dans un autre territoire, puisqu'on sera confronté à d'autres situations, d'autres contextes qui sont très variés. C'était un peu ça l'illustration qu'on avait sur les prélèvements. C'est pour vous montrer qu'en fait, on avait effectivement cette situation qui était très contrastée et qu'il faut à chaque fois se poser la question, effectivement, quelle est la bonne échelle pour prendre cette décision et regarder ça de façon complète. Et ça, c'était effectivement une difficulté qu'on peut avoir. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on réponde à la question sur l'élargissement des acteurs, des interlocuteurs du monde sanitaire. Oui, par exemple, les ARS, les agences régionales de santé auxquelles on est confronté assez régulièrement, ça fait partie effectivement des discussions qu'on peut avoir. On va être là pour leur apporter les meilleures informations. Ça va me permettre de répondre aussi sur des questions, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr à 100%, on l'a évoqué tout à l'heure. On est là pour leur donner la meilleure connaissance au moment donné, en ayant aussi une appréciation de l'incertitude qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on présente. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons prendre après la décision en lieu et place de leurs compétences, puisque moi, je ne suis pas compétente en matière sanitaire. Donc, ce n'est pas moi qui vais pouvoir dire si telle concentration in fine est toujours un risque potentiel ou non pour la santé humaine ou pour les écosystèmes derrière. Donc, on va leur amener l'information de ce qu'on est capable de faire à ce moment-là, avec un certain nombre d'éléments d'appréciation qui peuvent être là-dessus. Et dès lors qu'on utilise des modèles de prédiction, et je répondrai comme ça à un des interlocuteurs, les modèles de prédiction sont aussi un calcul mathématique qui permet d'envisager des situations qu'on va connaître. Donc, on ne l'a pas nécessairement connu, et on a besoin de cette prédiction pour pouvoir effectivement anticiper. Nos modèles qu'on utilise de simulation, on passe par des étapes qu'on appelle de calage, donc de validation par rapport aux épisodes passés. Donc, en règle générale, on ne part pas de zéro, on va aller caler au moins pour les eaux souterraines,
un certain nombre d'informations sur les 15 dernières années, les 20 dernières années, voire 60 ans. Et donc, notre modèle, on va commencer par le caler par rapport à ces situations-là. Et après, on intègre les scénarios qui sont prédictifs, qui soient pour la météorologie, qui peuvent être sur des usages, par exemple. On nous demande de rajouter, si on fait de nouveaux prélèvements, qu'est-ce qui va se passer globalement à l'échelle de ce bassin. Donc, en fait, à nouveau, ils sont fiables par rapport à ce qu'on a pu faire, mais on a toujours une analyse d'incertitude qui vient avec derrière et qui est inhérente, j'allais dire, au système des modèles de prédiction, quels qu'ils soient. Vous aurez la même chose de Météo France sur ses calculs de prédiction du climat à court, moyen et long terme. Il vous donne aussi cette notion-là. Et c'est à partir de ça, c'est la meilleure estimation qu'on peut faire avec cette incertitude qu'on va être amené à aider à prendre une décision. Et vous venez de répondre donc à l'interrogation d'Étienne Collomb, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. De simulation, c'est peut-être, vous pourriez nous en dire plus sur aussi la manière dont le BRGM s'est saisi des ressources du numérique en mettant aussi à profit le fait que le BRGM, ce sont, on l'a dit dès le départ, des hommes et des femmes qui sont sur le terrain et qui peuvent du coup croiser des données numériques avec des observations sur le terrain. Et peut-être que l'avenir, c'est cette articulation entre une intelligence artificielle nourrie de données numériques et une intelligence humaine qui puisse vérifier et limiter les effets des éventuels biais introduits dans les algorithmes. Oui, alors, vous avez raison, on a été tout de suite très vite sollicité sur ces éléments-là. Vous savez, quand vous avez des jeunes qui sont informatisés, j'allais dire, dès la tendre enfance, les geeks sont assez proches à regarder toutes ces innovations. Donc, effectivement, on a une approche qui est assez complémentaire, c'est-à-dire que on a nos mesures, c'est un fait avéré, on est capable d'en faire cette estimation et on a un certain nombre de projets à l'heure actuelle qui visent à voir comment ces nouvelles approches, y compris avec de l'intelligence artificielle, pourraient nous amener à pallier un certain nombre de problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle. Vous n'avez peut-être pas bien noté, mais par exemple sur la carte où on a notre situation, on a des zones qui sont en gris, ben, c'est des zones sur lesquelles on n'a pas nécessairement de l'information. Et donc, on se dit, bah, parce que ça a pu être compliqué à les mesurer ou ça coûte vraiment très, très cher pour avoir une information. Et donc, on se dit, est-ce qu'on ne va pas pouvoir utiliser ça en essayant de se dire, voilà, qu'est-ce que va nous donner, par exemple, l'intelligence artificielle, l'apprentissage mutuel, donc il va s'enrichir, etc. En lui donnant, cette situation est un peu analogue à celle-là. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me dire pour essayer de regarder ce comportement? Donc ça, on y travaille aussi avec un certain nombre de chercheurs, dont des chercheurs du CNRS. On travaille aussi à ce que vous n'avez pas évoqué la chose, mais ce qu'on appelle des jumeaux numériques, c'est-à-dire d'essayer de se dire, je vais faire une représentation numérique de mon sous-sol, hein, qui est toujours cette zone assez invisible, donc je vais essayer de le représenter d'abord en 3D, et puis je vais essayer d'introduire par exemple la notion de temps et donc la prédiction, de passer au 4D, et donc je vais rentrer mes modèles d'appréciation dans ce système. Donc on a un très gros programme ici sur la région Centre-Val de Loire, qui s'appelle le Junon, et qui va viser à intégrer un certain nombre des données qui viennent de pas mal de laboratoires et d'instituts de recherche pour essayer de reconstituer un jumeau numérique d'un certain nombre des milieux et pour pouvoir après, si on arrive effectivement à montrer des évolutions qu'on a déjà connues, pouvoir tester un certain nombre de choses qui vont se faire ou qui sont envisagées dans le futur. Ça, c'est des pistes sur lesquelles on travaille effectivement avec en plus l'intérêt, c'est que vous pouvez le visualiser et donc montrer ça à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir le sous-sol comme nous, on peut le voir parce qu'on va sur le terrain et qu'on l'a imaginé. C'est une forme de représentation qui peut être intéressante sur le sujet. C'est assez intéressant. Mais il y a plein d'approches aussi pour faire de ce qui a été évoqué sur la représentation de l'eau en tant que telle sociale. Alors, Mélissa, qui est aux manettes du chat, a
avec beaucoup d'opportunisme, vient de rappeler que projeter comment une présentation des réflexions engagées dans le cadre de l'IHEST. Mélissa, vous me confirmez, le public le voit. Donc voilà, on renvoie à cette réflexion-là. Je ne sais pas si vous partagez la même impression que moi, mais j'ai l'impression que le temps passe vite. Et c'est bien le cas. Or, j'aimerais qu'on me dise un mot, de profiter de votre présence à vous, Dominique, et vous, Julie, pour dire un mot sur le plan eau, auquel d'ailleurs vous avez contribué, Dominique Darmandra, et à travers le BRGM. Mais auparavant, j'ai bien noté, Julie, que vous souhaitiez réagir. Moi, j'aimerais quand même revenir sur comment le rapport, comment les expertises que vous mobilisez et que je me suis permis de présenter comme étant relevant des sciences exactes, des sciences de l'ingénieur. Mais qu'en est-il de vos rapports avec les sciences sociales? Comment se fait-il qu'une Julie Trottier ne se figure pas dans des programmes de recherche du BRGM pour vous aider à éviter les écueils, des biais, voir ce qu'il y a, comment interpréter les données? Je vous laisse réagir. Julie qui commence ou c'est moi? Moi, je dirais simplement, c'est pas dans la mission du BRGM de faire cette interprétation sociale et politique. Leur mission, c'est de représenter aussi précisément que possible l'évolution des masses d'eau de surface et souterraine. C'est ma compréhension de leur mission, en tout cas. Alors, en fait, on s'aperçoit aussi que, on parlait, vous savez, de ces fameuses cartes qui sont produites. On s'est aperçu que la façon dont on le représentait en tant que sachant sur le sujet, c'était pas nécessairement bien compris, approprié par ceux qui étaient en face. Donc, il y avait des gens qui réinterprétaient nos cartes. Par exemple, a été assez intéressant. Donc, en fait, on a une équipe aussi qui va travailler à ce que vous évoquiez tout à l'heure, la co-construction, assez régulièrement maintenant. On a une équipe de SHF, une petite équipe, mais qui travaille beaucoup en partenariat, qui est basée à Montpellier. Mais je vais revenir après avec certains CNRS, qui va travailler à voir comment on peut co-construire des scénarios avec les parties prenantes d'un territoire, pour pouvoir s'approprier et orienter les scénarios qu'on va pouvoir modéliser. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire « nous, on va vous modéliser ça », ils commencent par nous dire quels sont les scénarios probables qu'ils ont construits comme étant le possible du futur avec les parties prenantes, avec les politiques, avec les populations. Et on en a fait la démonstration la semaine dernière avec un syndicat d'eau d'un département. Ils étaient très intéressés parce que c'est ça qu'ils veulent mettre en place. Ils étaient étonnés de découvrir ça chez nous. Donc, je reviens, c'est vrai que on est arrivé avec ça. Et donc, en fait, on travaille assez souvent en partenariat. Donc, on a une équipe qui est dans une unité mixte de recherche avec un certain nombre de personnes qui sont de ces domaines-là, qui est basée à Montpellier, mais on a d'autres partenariats. Et par exemple, on évoquait ensemble, Sylvain, un grand programme national de recherche exploratoire qui s'appelle One Water, Eau bien commun, qui est donc copiloté par le CNRS, le BRGM et l'INRAE. Donc, vous voyez trois établissements avec des profils différents. Et dans ces trois co-directeurs, donc j'en suis une, la CNRS est une anthropologue de l'eau, que Julie doit connaître, Agathe Heuzin. Et l'INRAE est un spécialiste des écosystèmes aquatiques et des rivières intermittentes, donc la relation. Et donc, on travaille même à co-construire la façon de faire de la recherche ensemble. C'est-à-dire qu'avec trois profils très différents, trois établissements très différents, beaucoup de partenariats, on est amené à changer la façon aussi dont on va faire la recherche pour essayer d'améliorer la façon dont on va répondre à un certain nombre de dispositions. Et par exemple, on a été amené à travailler avec des doctorants, des post-doctorants, des chercheurs, des parties prenantes dans un petit atelier pour savoir comment on va réellement faire de l'interdisciplinarité autour de questions identiques de recherche. N'en jetez plus, je crois que Julie a regretté. Elle va nous rejoindre. Voilà, la beauté en touche tout à l'heure, mais je vous donne peut-être l'occasion de réagir. J'aurais voulu réagir.
réagir à... Et quelqu'un a écrit dans le chat à propos de la réutilisation des eaux usées. Il disait, méfiez-vous de l'impact sur le maraîchage. En fait, il y a des recherches là-dessus menées à l'INRAE sur la qualité de l'eau issue du traitement des eaux usées. Et il y a beaucoup d'expériences sur les salades, sur beaucoup de maraîchage pour voir justement s'il y a un risque sanitaire ou pas. Et dans ce message, j'ai vu passer brièvement, il disait pour les arbustes, c'est bon, mais pour le maraîchage, ça peut être mauvais. Mais j'aimerais aller un peu plus loin, c'est que si vous regardez Israël a cette caractéristique que toutes leurs eaux usées, traitées, sont réutilisées dans l'agriculture. Et ils sont devenus le premier pays du monde à maintenant désaliniser leurs eaux usées, traitées, avant de les réutiliser dans l'agriculture, parce que ça transformait, il y a toujours un niveau de sel, une concentration de sel plus grande dans les eaux usées traitées que dans l'eau douce. Et alors, ça changeait la structure du sol et ça rendait leur sol progressivement infertile. Et ce qu'on voit, c'est que cette plus grande salinité, quand c'est utilisé dans des zones très arides, bon, en France, on n'a pas de zone aride à ce point-là, mais souvent quand c'est dans des zones très arides, ça va saliniser le sol et le rendre à terme infertile. Donc c'est encore une raison pour laquelle parfois cette a priori bonne idée peut se révéler être une fausse bonne idée. Israël, que vous connaissez bien, puisque vous y avez séjourné plusieurs années, c'est ce que je rappelais d'ailleurs au début. Allez, avant d'en venir au plan eau, peut-être encore, je souhaiterais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Dominique, à savoir que sur certaines cartes, il y avait des zones grises parce que l'état de connaissance n'était pas suffisant. Est-ce que, en disant cela, vous donnez raison comment au rapport du CESE que j'évoquais tout à l'heure, qui a été publié du CESE, du Conseil économique et social et environnemental, et qui en avril de cette année soulignait le haut niveau de connaissance, la qualité des données dont on disposait sur l'état des ressources en eau, tout en disant qu'il y avait encore des efforts à consentir pour parfaire cette connaissance. Est-ce que c'est une préconisation dans laquelle vous reconnaissez que vous pourriez faire vôtre? Alors oui, on a contribué, en fait, on a été auditionné par le CESE et par un certain nombre d'autres d'ailleurs. On est un peu sollicité en ce moment pour ça. Effectivement, avant, quand on considérait que la ressource était pratiquement infinie, hein, on avait l'impression que parce qu'on ouvrait le robinet, on n'avait pas de problème, ça arrivait là-dessus. On a quand même des secteurs sur lesquels, l'année dernière, vous en avez entendu parler, où effectivement... un certain nombre de communes, eh bien, quand ils ouvraient le robinet, il n'y avait plus d'eau. Et donc, on s'est posé la question, amener de l'eau en bouteille, est-ce qu'il faut faire des interconnexions, etc. Donc, effectivement, on nous a aussi demandé de savoir est-ce qu'il y avait d'autres ressources. Quand j'évoquais le volume potentiel des eaux souterraines, là, les 30% de l'ensemble des eaux douces sur Terre, on les connaît pas tous, on connaît pas les aquifères qui sont profonds, qu'on appelle sous couverture là-dessus. On est dans les zones montagneuses, on a des formations qui sont susceptibles d'avoir des porosités importantes qui pourraient stocker de l'eau. Ces zones-là, on n'a pas été les rechercher par le passé parce qu'on n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, on commence à dire on en a besoin. Donc, la question, c'est de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de cela? On va revenir à un besoin-demande. Ça, c'est une question. Mais on ne les connaît pas pour dire est-ce qu'on a effectivement cette réserve à disposition éventuellement. On n'en est pas là. Donc, on a une question aujourd'hui qui nous a été posée de savoir qu'est-ce qu'on pourrait aller investiguer pour le futur, hein, pas nécessairement pour cet été, hein, parce que vous imaginez que pour aller faire un certain nombre d'investigations, il faut un peu de temps, il faut du temps pour faire les investigations, pour les interpréter, regarder un peu ce qu'on peut en faire. Et donc, on nous a posé effectivement cette question, mais on nous pose aussi d'autres questions, comme vous évoquez sur le plan eau. On nous pose une question de qu'est-ce qui… Alors, je pense que Julie va expliquer ce qu'est un volume prélevable. Et donc, globalement, je la vois là tout de suite, globalement, c'était se dire, bon, j'ai une réserve, est-ce que je peux me permettre d'aller la prélever pour des besoins maintenant, en regardant peut-être les futurs besoins, et quels sont ces futurs besoins, qu'est-ce que je veux prélever. Donc, on a aussi
des questions autour de ce qui serait prélevable en fonction du taux de renouvellement et de l'état de ces réserves. Donc, vous voyez, il y a des questions qui viennent à se poser la question, est-ce que je dois effectivement consommer tout de suite parce que j'ai beaucoup de demandes. Au contraire, je commence à réfléchir à quels sont mes besoins primordiaux, des besoins qui sont un peu plus, peut-être un peu moins, aller de la demande qui ne l'est pas du tout. Et donc, on nous pose ces questions-là aujourd'hui. Donc, on va nous regarder un peu quels sont les taux de renouvellement, quels vont être l'état de ces réserves. Après, il y aura forcément des échanges à avoir avec d'autres scientifiques sur savoir qu'est-ce que c'est qui est vraiment prélevable, quelle notion on met là derrière et quelle est un peu la valeur qu'on veut y attribuer et travailler là-dessus. Si je peux réagir, c'est que partout dans le monde, on a mobilisé l'eau qui était la moins chère à mobiliser. Mmh. Partout, l'eau qui était bon marché à mobiliser, on l'a mobilisée déjà. Donc, si on veut mobiliser plus d'eau, ça va nécessairement être beaucoup plus coûteux. Et ça, c'est une chose qui est à prendre en compte. Je suis en train de reformuler la question d'un point de vue de Sciences Po. Hein. Et donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et puis maintenant, si je reprends les propos de Marga, qui était un très grand hydrologue français. Bergère, notre patron avant. Je vous lis, hein, je vous lis. Lui disait, toute l'eau est déjà utilisée. Et donc, quand on décide de prélever et d'utiliser, on enlève à un autre utilisateur. Et c'est pour ça que ce qu'il faut prendre en compte, c'est comment est-ce qu'on se situe et on se réarrange le long de la trajectoire de l'eau déjà existante. Et si on fait un prélèvement supplémentaire, comment est-ce qu'on va s'organiser le long de cette trajectoire? Parce que toute l'eau est déjà utilisée. Et là, je cite quelqu'un du BRGM et je trouve qu'il avait, il avait parfaitement raison quand il disait ça. Il faut vraiment que vous soyez avec nous, tout comme Dominique, au prochain webinaire, puisque on va mettre le focal sur les usages en démultipliant les points de vue agricoles, industriels et énergétiques. Donc, nous comptons sur vous, Julie, et vous aussi, Dominique. Alors, nous, les webinaires, webineuses sont intervenues, on reprendra les questions à la fin, mais auparavant, quand même, j'aimerais que profiter de votre présence pour avoir votre regard sur le plan eau qui a été donc présenté en mars dernier, qui se décline en 53 mesures. Est-ce que, question que je double d'une autre question, parce que je m'aperçois que nous avons discuté depuis pratiquement 2 heures, mais nous n'avons pas évoqué le facteur lié au changement climatique qu'on met souvent en avant pour justifier, expliquer la situation actuelle, alors que, en fait, à vous entendre, il y a bien d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans l'aggravation de situations locales ou même au niveau national. Donc, 2 questions en une, votre regard sur ce plan haut, même en espérant ne pas vous faire sortir d'un droit de réserve, je ne sais pas. Ah, moi, je n'en ai pas, voilà. Je suis chercheur. On la laisse parler, puis après on vous aviserez. Non, mais regardez sur mon droit de réserve. Du point de vue du changement climatique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on m'a dit quand on m'a embauché au CNRS. On m'a dit que tant que c'est dans votre domaine d'expertise et que c'est le résultat de vos recherches, vous pouvez tout dire. Parce que j'ai posé la question du droit de réserve quand je suis en société. Sylvain qui est avec nous. Moi j'ai un droit de réserve. Vous avez un droit de réserve, d'accord. Donc, je ne pourrais pas vous dire si elle me fait la grimace ou si elle me sourit pendant que je parle. Moi, mais pas vous, donc pas de souci. Non, mais la grimace ou le sourire, ça... Bon, soyons sérieux. Pour moi, on pourrait discuter de beaucoup d'impacts du changement climatique, mais un impact qu'on voit très clairement dans nos territoires, c'est que si la température augmente, la plante doit transpirer plus pour garder sa température à une température où elle peut vivre. Exactement comme nous. Hein. Si la température augmente, nous transpirons plus. C'est ce qui nous rafraîchit. Les agriculteurs d'oignons en Cévennes me disent qu'il y a 10 ans, ils avaient besoin, ils irriguaient, ils utilisaient 4000 mètres cubes d'eau par hectare d'oignon. Maintenant, ils utilisent 5000 mètres cubes d'eau par hectare d'oignon, simplement parce que les températures en été, la saison des oignons, c'est 90 jours, la température est plus élevée.
Même chose pour la vigne, même chose pour tous les assolements. Quand la température augmente, si vous voulez garder la plante vivante, vous allez augmenter la quantité d'eau d'irrigation pour augmenter, pour lui permettre d'augmenter sa transpiration. Maintenant, le jour même où notre président annonçait le plan eau, en même temps, le ministre de l'Agriculture, en même temps, le ministre de l'Agriculture faisait, ou lui aussi, un discours et disait « Nous ne demanderons aucun sacrifice à l'agriculture. » Je note une incohérence. Et c'est parce que si vous regardez les 53 mesures du plan eau, alors est-ce que je... Là, mon analyse de sciences politiques, c'est qu'il y a plusieurs formes d'agriculture. Il y a plusieurs imaginaires socio-techniques à l'œuvre à l'intérieur de plusieurs agricultures. Et d'après ce que je vois du plan eau, certaines sont favorisées par rapport à d'autres. Et pour moi, c'est de là que viennent les grands conflits qu'on a pour l'instant sur le, au niveau national, hein, à l'intérieur de la France. Et c'est très important d'identifier ces imaginaires socio-techniques, de comprendre les mécanismes socio-économiques auxquels ils sont liés, ceux qu'ils sont en train de, d'essayer de promouvoir ou pas, et de manière à ce qu'on puisse faire un choix sur base de la délibération démocratique. Parce que je crois profondément, je suis profondément attachée à la démocratie. Et s'il y a bien une question sur laquelle tous les citoyens doivent être informés et être entendus au sein de délibérations, c'est la question de l'eau. Dominique Darmandrat, je vais de commenter le plan, mais au moins peut-être à votre guise. Non, même à réagir à ce que dit Julie, déjà, effectivement, c'est bien pour ça, par exemple, que notre programme national s'appelle One Water au bien commun, et pour pouvoir questionner un certain nombre de choses et de même de... Les scientifiques ont déjà défini ce qu'est un commun, mais de partager ça avec ceux qui, effectivement, sont au contact, l'utilisent, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on tient et sur lequel on veut travailler pour essayer de progresser. Donc, de ce côté-là, il y a un certain nombre de points. Alors, pour revenir sur le plan eau, peut-être dire déjà, c'est qu'on l'attendait depuis un moment parce que on avait l'eau qui était traitée dans l'agriculture, l'eau dans l'énergie, l'eau pour la distribution eau potable, et on avait peut-être perdu un peu ce rôle central et vital qu'il y a et qu'on essaye de retracer là depuis presque 2 heures. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas et qu'on... Il n'y a pas beaucoup de pays, et même en Europe, on a eu beaucoup de mal, parce que j'ai beaucoup travaillé au niveau européen, on a eu beaucoup de mal à faire comprendre qu'on avait besoin de recentrer un petit peu sur cette ressource et son rôle, quel qu'il soit. Donc, le fait qu'il y en ait un, c'est déjà bien. Il commence par la sobriété. On peut peut-être le rappeler, il ne commence pas par les usages. Il parle de sobriété d'entrée. Après, on peut questionner sur comment on aborde cette sobriété et cette réduction de 10%, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est centré sur la sobriété. Et il parle aussi bien de quantité, donc de la disponibilité, que de qualité, ce qui aussi, dans une période de sécheresse, on a tendance à oublier le volet qualité. Donc, on y a trouvé un certain nombre d'informations et d'orientations qui avait besoin d'être rappelé, ça c'est quelque chose d'assez important. Là, on peut s'étonner qu'on ne parle pas absolument pas d'inondation. On parle plutôt de la réduction, mais on ne parle pas d'inondation du tout dans ce document. Donc ça nous avait fait un peu un effet de surprise. Donc on s'est exprimé notamment vis-à-vis de nos ministères de tutelle, dont le ministère de la Transition écologique, en leur disant c'est quand même étonnant que vous ne parliez pas d'inondation. Donc ça c'est quelque chose qui était assez intéressant. Donc ils ont admis la remarque, et puis on leur a aussi on est revenu sur le fait que les territoires sont contrastés et que les mesures qui sont présentées sont assez globales. On est sur du collectif et on ne regarde pas nécessairement qu'est-ce qui va devoir être fait au niveau de chacun des territoires compte tenu des situations qui sont assez contrastées. Donc ça, ils en ont parfaitement conscience et ils pensent que c'est au travers d'actions plus locales et de plus en coopération co-construction localement que ça doit être fait, qu'on peut être amené à être assez... Oui, Julie.
Est-ce que je peux rebondir sur ce que vous venez de dire? Parce que je développe un projet de recherche pour l'instant dans le sud de la France, où en fait la protection, on travaille sur la protection contre les inondations d'une manière liée à la protection contre les sécheresses. Mmh. Donc en fait les deux sont liés à l'intérieur du déploiement d'architecture vernaculaire et de tenure de l'eau qui est déployée au niveau local. Donc en fait on peut poursuivre en même temps les deux buts, et avec le changement climatique, tout à fait. Inondations catastrophiques vont augmenter. Et si j'en viens au plan eau, les méga-bassines et la réutilisation des eaux usées traitées, la manière dont c'est formulé, ça va garantir l'approvisionnement en eau d'un acteur. Parce que si vous êtes à l'autre bout du tuyau, l'extrémité du tuyau où vous recevez les eaux usées traitées, vous allez avoir une garantie d'approvisionnement en eau. Vous n'allez pas être vulnérable aux aléas de la pluviométrie. Même chose avec une méga-bassine. Donc, ce qu'il faut quand même considérer, c'est que ces solutions techniques-là qui sont proposées sont des solutions qui sécurisent l'approvisionnement en eau de certains acteurs. Et ça, c'est un poids considérable. Sur du court terme, sans doute. Sur du court terme, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on essaye de passer la crise. On a l'impression que c'est le passage de la crise. Il manque un peu, effectivement, cette dimension un peu plus long terme, plus prospective sur le sujet. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait remonter. Par contre, il y a tout un sujet aussi sur comment on peut essayer de mieux l'utiliser. Donc là, à regarder quand les mesures, on va dire, un peu plus concrètes viendront, c'est que des grands principes pour le moment. Donc ça, c'est un point important. Donc, je ne sais pas si on en a, mais on a aussi trouvé que la situation dans les territoires d'outre-mer, donc les territoires ultramarins, sont évoqués, mais peut-être pas à hauteur des enjeux qui sont ceux des outre-mer. Donc, on avait terminé il y a un an et demi à faire un petit tour, puisque vous savez, le BRGM a aussi des antennes dans toutes les régions et dans les territoires d'outre-mer. Et donc, du coup, on avait fait un petit tour de quelles sont les problématiques que vous avez en Guyane, à Mayotte, etc. Et là, effectivement, on trouve que il y aurait en fait quelque chose à faire d'un peu plus précis. Alors, il y a un plan eau outre-mer depuis quelques années, depuis 2016, qui vise à donner un meilleur accès à l'eau. Donc, vous savez quand même qu'on a une partie du territoire français qui n'a pas l'accès à l'eau courante, hein, et qui n'a pas non plus accès à l'assainissement. Et donc, il y a quelques dispositions sur le sujet, mais sans doute pas à hauteur des défis qui sont rencontrés localement. Je vois que Julie approuve. Il y a des coupures d'eau, hein. Aujourd'hui, on a des coupures d'eau à Mayotte, on a des coupures d'eau en Guadeloupe. Donc, c'est quelque chose qui est à développer, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous avez des interlocuteurs aujourd'hui des Outre-mer, mais ne pas les oublier, parce qu'on les a oubliés peut-être dans l'exposé avant. Qu'ils n'hésitent pas à se manifester, effectivement, on relaiera leurs interrogations dans les minutes qui viennent, qui nous restent. Encore une petite question sur le plan eau, alors non pas pour revenir sur les mesures, les commenter, etc., mais comment sur son élaboration, il faut peut-être rappeler, j'aimerais vous entendre réagir sur cette fait là, comment il résulte de la mobilisation de toutes les instances de production de connaissances sur l'eau, relative à l'eau. Est-ce que vous pouvez, mais d'où un sujet d'étonnement, c'est que ce plan climat a été présenté comme tombé du ciel, on l'attendait depuis longtemps, vous l'avez rappelé, Dominique Darmandraille, alors qu'il y a eu tout un processus d'élaboration impliquant tout un spectre d'acteurs. Est-ce que vous pouvez réagir à ce constat paradoxal, l'invisibilisation du processus ayant présidé à l'élaboration du plan. Je vous vois opiner du chef, Julie. J'aimerais beaucoup savoir le processus de construction du plan eau. Pour moi, ce sera un sujet d'étude valable à 100%. Je ne sais pas qui a participé personnellement. Nous, exemple, il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place. Alors, il y a eu pas mal de groupes qui existent, hein, depuis un moment. Vous savez qu'il y a un comité national de l'eau
sur l'eau qui existe depuis des années, qui aussi est là pour faire un certain nombre d'alertes. On a évoqué l'agriculture, il y a eu le barème de, agricole donc de l'eau et du changement climatique sur lequel donc s'appuyait la déclaration de Marc Fesneau. Justement, suite à la crise de l'année dernière, donc il y a eu un retour d'expérience qui a été fait par l'État avec l'ensemble des agences, des collectivités. Et donc, à la suite de ça, ils ont été mis en place des groupes de travail qui, effectivement, associaient un certain nombre d'acteurs. Peut-être pas tous les acteurs, parce qu'on a eu 2 mois ou 3 mois pour essayer de dire ben voilà, quels sont les défis auxquels on fait face, quels sont les enjeux qui sont derrière. Les groupes de travail étaient sur base d'invitation, j'imagine. Oui, c'est sur base d'invitation, c'est-à-dire que globalement, il y avait des représentations des différents groupes, on va dire. Donc, ils ont fait appel à des scientifiques d'un côté, ils ont fait appel à des fournisseurs d'eau, mais quels soient les régies publiques ou les groupes privés. Il y avait des usagers qui ne soient pas directement, par exemple, le consommateur, hein, donc des gens de l'agriculture, des gens de l'industrie, des différents usagers de l'eau. Il y avait des administrations locales, des agences de l'eau, enfin un certain nombre de groupes, et tout le monde a pu apporter un certain nombre d'éléments qui ont été après consolidés et ont fait l'objet de consultations interministérielles. Ma question est sincère. Si vous invitez les agriculteurs, vous invitez la FNSEA ou la Confédération paysanne ou les deux. Les deux. Ils ont travaillé ensemble? Alors, je vais pas commenter. Vous n'êtes pas la représentante des Globalement, ça repose toujours sur. J'invite un certain nombre d'acteurs. Il faut vouloir effectivement participer à l'exercice démocratique et constructif. Donc, ça a été effectivement fait avec ça. Après, donc, on a travaillé sur la fin de l'année 2022 dans la foulée donc de ce retour d'expérience. Sur la crise 2022, et ça a alimenté un certain nombre de discussions. Et puis, l'État, après, a fait une consolidation et a rééchangé avec certains acteurs, par exemple avec les agences de l'eau, puisque comme c'est un des bras sur lequel les financements donc, sont amenés, il y a des financements supplémentaires, de la fiscalité supplémentaire, qui va permettre de découpler un certain nombre d'actions. Ben, ils ont rééchangé, par exemple, avec les agences de l'eau sur quelle serait leur façon d'agir, sur quoi on pourrait étendre, quelles seraient les priorités pour leur plan d'intervention. Donc, tout ça a été mis en place entre septembre et donc le mois d'avril, en se disant, ben, on regarde la recharge qui se passe, on regarde la pluviométrie, on sait qu'on s'attend à quelque chose qui va être un peu difficile, il faut avoir quelque chose en place pour la prochaine crise qui est là. Excusez-moi, il nous reste quelques minutes seulement, et avant de vous réserver une question surprise, j'aimerais justement qu'on passe en revue l'ensemble des questions pour qu'on s'assure de ne pas provoquer de frustration chez nos webinaires et webineuses. Je pense que la question de Joris Mavel a reçu déjà une réponse. Hein, vous aviez La toute dernière. Alors, de Joris Mavel, voilà. La réduction le bénéfice d'une réduction de 10% des prélèvements sur la ressource en eau a-t-il été évalué? À cette heure, je trouve que pourquoi vous voulez retenir cette question? C'est une question pour Dominique, j'aimerais savoir. Alors, si c'est pour moi, mais donc ça, un, non. Deux, on a par contre, on a sur certains territoires, par exemple, j'étais il n'y a pas très très longtemps en Auvergne. Donc là, ils ont fait un certain nombre d'éléments d'analyse sur la consommation, notamment la consommation individuelle. Et si vous comparez à la consommation moyenne, par exemple, de mémoire, je ne suis pas très sûre des chiffres, mais un Français moyen, c'est 150-155 litres d'eau par jour pour sa consommation d'eau, hein, en tant que telle. Dans cette région-là, ils sont déjà autour de 120. Donc, ils ont déjà fait un certain nombre d'efforts, ils ont des pratiques qui sont là, et donc ils se demandaient effectivement, est-ce que moi aussi, moi qui ai déjà fait des efforts dans le passé, est-ce qu'il faut que je continue à faire? C'était un peu le débat qu'il y avait.
C'était fort intéressant en leur disant, ben, regardez un peu votre territoire et qu'est-ce que vous avez effectivement besoin. Et d'un autre côté, qu'est-ce que le territoire peut être amené, sachant que l'Auvergne est ce qu'on appelle le château d'eau de la France et de la Loire, ou notamment du bassin de la Loire. Donc, il y a toute la solidarité aval sur le trajet de la Loire jusqu'en Bretagne. Comment on assure ça? Et donc, c'est vraiment des questions qui sont effectivement à considérer. Et là, il va falloir retravailler, ça c'est clair, net et précis. Mais c'est pas. Donc là, on peut dire qu'ils ont déjà fait un certain nombre d'efforts, ils l'ont vu. Ils ont pu faire un certain nombre de choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire si on avait eu pas cet effort de fait. Dans les échanges préparatoires, Julie Trottier, vous nous avez dit, vous avez protesté en disant, mais on pourrait parler jusqu'à 50 heures sur ces enjeux-là. Nous avons, comment, nous en avons parlé pendant 2 heures, ça fait 4%. Mais il y a la suite, il y a un prochain webinaire et puis il y a le séminaire et on s'approche des 50 heures. Et ma question surprise, vous y répondez par oui ou par non. Est-ce que vous trouvez ce cycle suffisamment important? Vous y voyez un enjeu suffisamment majeur pour vous inscrire au prochain webinaire, au séminaire? Oui, non. Ben, je crois que vos rires. Oui, bien sûr. Voilà. On ne serait pas là sinon. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment. On pourrait effectivement poursuivre l'échange, mais on aura d'autres occasions de le faire. Sylvane a rappelé que ce cycle a été co-construit avec plusieurs partenaires, l'IHEST, je parle sous votre contrôle, la Banque des Territoires qui va nous accueillir dans son magnifique hub des territoires, également Agropolis, etc. Mais le BRGM. Mais au-delà de ces institutions, il y a des hommes et des femmes. Il y a au moins une femme, une cheville ouvrière à laquelle je souhaite rendre hommage. C'est bien sûr Catherine Véguillot qui m'accompagne dans la préparation de ce webinaire, qui m'a accompagné dans la préparation du suivant et du séminaire. Et je tiens à l'en remercier chaleureusement. Merci à toi, Catherine. Merci au public. Merci à vous tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bientôt. Au revoir.